Non, je veux pas le mettre, je veux pas c'est le mettre. soit ça, soit code QG. Oh putain, merde, putain. T'inquiète pas, c'est la suite de Modern Warfare 2, c'est génial. Bon, là, je le mets. Putain. Oh putain, c'est les mêmes menus que dans Code 6. Mais c'est clair, mais au moins on sera pas dépaysé. On a fait qu'une heure cinq. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. J'en peux plus quoi. Allez, bonjour tout le monde, c'est les Citamen. Salut à tous. Allez, on se trouve pour la deuxième partie du Cheetah Play sur Call of Duty Modern Warfare 3, le meilleur Code 8, FPS hein. de tous les temps. En croire les critiques et les ventes, effectivement, c'est le meilleur FPS de tous les temps. Pour bien voir ce qu'il a dans le ventre, on a déjà fait 12% du jeu. Ce qui est extraordinaire. On va continuer, hein. Voilà. L'histoire, alors, l'histoire, vous avez pu voir dans la première partie, c'est un truc assez basique. Hein, les Russes ont invadi les États-Unis et on les a repoussés. Ouais, et puis après, c'était par rapport au Modern Warfare 1 et 2, effectivement. Vous avez fait le lien, mais je pense que ça parle pas à grand monde en fait. Modern Warfare 1, c'est tellement vieux pour certains. Hein. Bon, certes, c'est un cheat play, c'est un Wolf Flu, mais bon, on va quand même continuer à parler sur ces pseudo-cinématiques. Pseudo-discussion entre généraux si, et ouais, la diplomatie américano-russe, c'était intéressant, on va dire. Hein. C'est pas très palpitant, j'ai envie de dire. Il y a les sous-titres hein, pour les indiques, donc. Tous ceux qui sont intéressés. Ouais. Hein, les intéressés. Mais il va faire une conférence à l'OTAN parce qu'il y a la guerre, voilà, c'est tout, c'est génial. Hein. La vérité n'est qu'une question de point de vue, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, à Hambourg, en Allemagne. On s'est arrêté dans le jet présidentiel Air Force One, normalement. Dans l'avion, effectivement. Donc, apparemment, c'est un niveau assez intéressant. C'est Russian Massacre, c'est là où on avait tué tout le monde dans le 2, carrément. Et à en croire Anthony Zeig ou d'autres personnes qui ont fait ce Call of Duty. Ça peut être drôle parce que je crois que c'est en mode zéro gravité en fait. Hein. On va voir. Oh, pourquoi pas, si ça peut être un peu spectaculaire, j'ai envie de dire. Donc, c'est en zéro gravité, donc peut-être qu'il nous ferait crasher ce Air Force One. Je sais pas. Bon, on va voir. Donc, on incarne Andrei Kharkov. Arkov. C'est un peu russe quand même, non? Ouais, donc du coup, je pensais que. On est pas à Force One alors si. Mais ou alors on a un russe qui protège un américain. On a infiltré, on doit tuer. Ça se pose tant de questions, t'es turbulent. 3 octobre. Andrei Kharkov, agent du FSO russe. Donc on est russe, hein. Ok, service secret peut-être. Foyer social. Omniprésent. Alors. Ah, on a vite. Le beau drapeau, les gars, voilà. Je voulais attendre les chargements, mais finalement, ils sont pas arrivés. Y'a que ça de vrai. Alors. Alors, il parle. Je vois les panneaux, le drapeau, moi okay. Je me promène. Drapeau donc on est on n'est pas dans Air Force One. Non, non, un drapeau d'avion russe. Ou alors Air Force One a été visiblement changé. Hein. Il a été remodelé et tout. Donc on peut lire tout ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est l'homme barbu qui invente tout ça, magnifique. Donc là, il y a la bouffe, donc là, caporal. Skiwolak. Donc. Voilà les magnifiques avions là. Des Hawks, les gars. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce petit radiateur? C'est les présidents russes. C'est l'évolution de la barbe. C'est l'évolution du russe moyen, t'es. Voilà. Faut se follow, suffit. Là, donc là, c'est pour les toilettes, pour le personnel. On se promène. On vous a modélisé un avion, on va regarder ce que c'est. On a dit que cette mission est extraordinaire, donc autant. Pour l'instant, j'ai pas de pied ni de main, hein. C'est dommage ça. Autant la savourer. Il n'y a pas d'inertie, c'est dommage. T'as un petit café. Ouais, il parle pas beaucoup, Camille. Attends, les bêtes qui veulent que t'ailles dans la salle de conf pour. T'arrêtes de me pousser là? S'il te plaît. Mais oh putain, Jerry, c'est toujours aussi. Ouais, il faut que t'ailles dans la salle de conf. Mais sinon, je voulais bien faire la vaisselle, pousse-toi. Sinon, on va jamais finir ce jeu de merde. Bon, on y va en banc. Vas-y, voilà la fusée à la mastico. Vous aviez rêvé un peu de voir comment on voit la mastico. Ils se placent comme ça. Prenez position, tu sais, mais attendez, je rampe. Je fais ce que je peux. Voilà la mastico. Et on va voir si. C'est la main envoyée de Berlin, ça y était. Voilà, si ça va aller automatiquement, tu sais, ça te relève et ça t'assure. J'y vais, je prends position. Ah, il y a des négociations sûrement. Écoutons. Nous avons un choix à faire. Paix ou guerre. Vie ou mort. Et pour le bien de nos enfants, nous devons rétablir la paix. Monsieur le Président, ce n'est pas le moment d'apaiser nos ennemis. Nous détruirons ces ennemis en les changeant en alliés. Même si nos différends subsistent, au moins... Des coups de feu! L'avion a été détourné! Ils sont dans le cockpit! Et voilà, c'est parti! Un avion russe détourné, les gars! Et tu dégaines ton arme direct! Ah, putain, c'est plus sur. Je un garde du corps. Oh, j'ai cru qu'on était sur Doom, quoi! Chaud comment il a dégainé. Regarde comment il tient son arme! Ah, c'est GoldenEye, quoi! Chaud, hein! En même temps, un pistolet, il va pas le tenir à deux mains non plus, hein! Bon, ouais, mais bon. Là, on doit protéger le président russe! On a mis une balle! Et là, t'auras gagné comme dans un MW2. Ah, chaud! Ah, sinon, c'est pas mal foutu la mise en scène, là, au niveau du détournement d'avion. On le sait, c'est. Les mecs ils maîtrisent un peu les scripts, on l'a déjà dit en première partie. C'est vachement plaisant la mise en scène est. Là comment ça bouge là, ça, voilà, ça.
Même si c'est pas aussi bien fait que dans Uncharted, ça bouge plutôt bien quand même. Bon alors, là... Bon, c'est un gentil. Mais j'aime pas ceux qui rentrent en Russie. Putain, Stalingrad les gars, il fallait plus de courage pour reculer qu'avancer. Donc là, je suis désolé. Voilà, c'est parti là. Ah, c'est scripté. Hein, ah, c'est parti là. Que t'es pas... Le problème, c'est qu'on joue pas en fait. Hein. Non, mais là, je suis désolé, mais alors là, si c'est Emile lui qui conduit le bus, comme le gère. Je sais quoi. Parce que là, je veux bien, mais bon, là tu t'es plus ou moins sonné quand même quand t'as pris des chocs comme ça. Je suis en russe, donc je carbure à la vodka. C'est donc, un peu la séquence un peu aussi dans Killzone 3, la fin. À la fin. De l'histoire du solo. Plus ou moins moyen d'ailleurs à ce moment-là. Ça fait du Death Face, mais il n'y a pas autant d'ennemis. Mais vas-y, je vais les défoncer. Mais j'ai pas compris pourquoi c'est revenu après. Bah je sais pas. Je sais pas. Il a fait sûrement la dépressurisation et elle est revenue. Zone de turbulence après. Comme le titre de la mission. Hein. Ouais, c'est ça. Non, sûrement dépressurisation de la cabine et puis après c'est revenu quoi. Oh, tu peux même pas tirer sur. Même pas péter un écran. Oh, j'ai en 2011, même. Les gars, chaud quoi. Même la lumière et tout. La lumière. Ah, la gueule. Les impacts. La gueule des impacts. Hein, mais chaud, franchement, là on est sur Super NES Doom 92 quoi. En 2011 quoi, c'est chaud. Hein. Bon, attends, là il y a un truc donc je descends en bas. Est-ce que tu vois. Regardez. Il va taper 1000 ans. Ah oui, il peut taper 1000 ans et puis sinon, il reprendra le script. Ah, essayons de voir le voilà, script c'est là, qui recommence. C'est là qu'il tape. Il tape, regarde, il tape. Ouais. Il arrête. Il tape une fois. Il tape une fois. Après, et après il reprend. Il tape. Donc c'est 2-1, pause, voilà. 2-1, pause. Ok. Voilà, ok. Donc est-ce qu'il va se fatiguer un jour? Demande-lui si tu veux le remplacer. Et toi tu. Yo. Allez. Ouais, mais ça c'est vraiment dommage quand même. Les scripts sont vraiment. C'est la facilité quand même. C'est on rappelle facilité, que hein. À l'époque, Code 4 avait vraiment. Révolutionné. Avec Code 2, Code 1, genre les premiers codes avaient vraiment les scripts, révolutionné. C'était bien parce que les scripts ouais. ils étaient vraiment bien réussis. Non, mais c'est même. C'était le premier début, voilà. Parce que je veux dire, même si à partir du 4 on avait commencé à mettre ses critiques, c'est tout le temps en linéaire et tout. Parce mais que, au moins on était dans, comme voilà. C'était la guerre moderne, on était vraiment dedans. Là, ça fait quand même 5 ans qu'on est dedans, donc au bout d'un moment on en a trop marre. C'est revu. T'accèdes ouais. À ce. Dès que tu franchis la porte, il y a tel événement qui se passe, dès que tu. Il faudrait refondre les scripts, les réinnover, parce que c'était une excellente chose les scripts. Je veux dire. Il y a plein de trucs. En sortie de Battlefield 42, je veux dire, voilà, nous, quand tu passes sur Code 2, je veux dire, putain, c'est cool, tu sais. T'as un scénario, t'es dans une escouade, tu fais la guerre, c'est vachement bien. Là, c'est du vu, revu, tu vas là, il y a des ennemis. Non, mais il y a ton pote américain à côté qui voilà. Voilà le jeu, comment il est en carton. Je crois que c'était un ami, tu sais, parce que moi j'avance et tout. Et c'est totalement moisi ce système là. C'est une extrême facilité quoi. Là, voilà, magnifique flingue là. On dirait en GoldenEye par contre, comment il tient son flingue. Ouais, c'est ça, je te dis. En disant comment il tient un flingue, ça. Bah, il tient droit et il tire. Fais voilà. Gaffe parce qu'il y a peut-être un mec qui va être côté à droite. Là. Oh, putain, mais regardez. L'animation. Quoi. Attends, je veux que tu restes pour voir s'il tue. Ouais, c'est bon. J'ai pas de grenade. Bon, sinon, ça c'est pas mal ça, des variantes en fait, d'environnement. En même temps, ça rappelle la fin du code 4. Code 4, c'est l'épilogue, ouais. En même temps, je veux dire, ils ne peuvent jouer que là-dessus maintenant. Vu que les scripts, c'est revu et vu. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire, les mecs qui jouent à code 8, c'est le 8, oui. Ils n'ont pas joué aux anciens. Ils n'ont pas joué au code 4, donc effectivement, une séquence dans l'avion, pour eux, c'est extraordinaire, c'est nouveau. Mais c'est qu'il y en a beaucoup, ces nouveaux problèmes. Là, ce qui est dramatique, voilà, il fuit, il rampe, tout fuit de la mastirage. Est-ce qu'il ouais, il va y arriver quand même. Ah, c'est épique, hein. Il tue même pas si. Ouais, si, quand même. Il était à côté quand même. Il fera un bon film parce que c'est à côté, t'es donc. Et voilà, le corps n'a pas matérialisé, il lui a marché à travers. Mais chaud, le mec, c'est un catcher, ça. Ah, c'est mon commandant. C'est un. Vas-y, tire pour voir sa physique un peu. Ah non, il a pas. Enfin, sur le corps et tout, ouais, rien quoi. Dans les corps, à la limite, mais. C'est dramatique, hein. C'est quand même dommage, on se dirait, on les dit. Ah putain, un truc à péter. Il y a rien à péter, franchement. Il y a autant de choses à péter que sur la N64, regardez. Encore, attends, le niveau. Ah, un truc quoi. Le troisième niveau de GoldenEye. Ah oui, arrive dans la base. Oui, voilà, la base en Arctique. Non, pas en Arctique, mais en Sibérie, je crois. Oui, en Sibérie, mais attends, tu t'es télé. En tout cas, c'est ça explose. Bon, okay. D'accord, c'était plus ou moins mal fait, mais bon, à l'époque, c'était réussi. Ok, dans GoldenEye, quand tu pètes les tables, elles explosent parce que c'est des tables russes. Elles ont des explosifs sur la table, ouais, tu peux pas le voir. C'est que les tables brûlent, elles te brûlent, tu fais. Ah, même les caisses de munitions, ouais, cassées, ouais. Ça a explosé. En munitions, c'est normal, mais les tables. En quoi la table explose? Je vous explique. C'est une autre affaire, j'ai envie de dire. Je vais essayer. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'as fait? Je vais essayer. Je me suis dit, un coup. Ouais, mais regarde, on commence la séquence, c'est chiant. Mettre, bon, allez, on y va, c'est parti, on rush. Autant avancer, sinon ça sera pas intéressant. Ah, mais c'est bien, je sais pas, c'est assez court donc. Autant profiter du dépaysement. Ils sont morts. Oh putain, il a pris un 12 non t'es... Ouais, un grand coup dans la gueule là. Attends, je suis à coup. Voilà. Il glisse, mais vraiment, mais comme dans. Genre... Ah non, mais c'est les mêmes animations que le 4. Hein. C'est ça qui est désolant quoi, genre. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'argent. Pourquoi, hein. Pourquoi ils veulent pas continuer à travailler dessus? Mais pourquoi le 4 ils ont énormément travaillé, pourquoi ils travaillent pas? Moi j'aimerais qu'ils m'expliquent pourquoi on travaille pas quoi. Et. Parce que. Ils vont dire ouais, mais le solo on s'en bat les couilles, on veut jouer au multi. Mais le multi c'est la même chose. C'est les mêmes animations. Mais c'est le même jeu surtout. Ah, vous avez vu ce qu'il faisait?
Ouais, il était de dos, hein. Ah, il était de dos, il a bugué. Vous avez vu? Ouais, il est de dos. Ouais. Je sais pas à quoi il se la joue, mais il se la joue bizarre, hein. Bon, sinon les armes sont plutôt bien faites, les mains pas trop par contre. Hein. Ah, les mains, genre là, on voit son pouce, hein, genre il est juste ignoble. Ah, c'est un pouce russe, on va dire. Hein. À la vie, c'est une prothèse qu'il a, mais le gars. Franchement, l'arme est jolie, tu vois. Ils ont fait un travail, elles sont quand même plus jolies, elles font un peu moins plastique, on va dire, que les précédentes. Bon, là, mais sinon, c'est que là, bon, là, forcément, dans un avion, c'est le couloir. Ça aurait pu être quand même beaucoup plus épique avec des effets de fumée, des effets de lumière de fou, genre le rouge qui t'aveugle, tu sais, à la Battlefield un peu. Ouais, mais Battlefield, ils ont trop abusé des lumières. Mais au moins, c'est quelque chose de nouveau. Là, franchement, c'est fade. Peut-être que sur PC, les lumières sont mieux gérées, mais sur console, c'est vrai que. Tu sais, voilà qu'encore, alors, t'as chaud, regarde. Oui, non, mais il aime ça. Sur console, les lumières en sont presque ridicules, hein, parce que des fois, c'est trop abusé. Mais là, y'a rien, quoi. Voilà, y'a pas de lumière. C'est ultra fade. On voit les textures. Zéro. On voit les textures des gens, mais même on se tait ou on joue, c'est zéro. Y'a aucune ambiance. À part mettre une musique de pro américain ou de pro russe, c'est ça qui est dommage quand même. Je veux dire, moi j'avais beaucoup aimé le solo de Call of Duty. Je pense qu'ils vont quand même être forcés de réagir à Activision et Blizzard parce que bon, WoW est en perte totale. Il va se faire exploser par joueurs, Star Wars en plus. Hein. Et ensuite Call of Duty, voilà, genre là Modern Warfare 3, on va dire la plus grande majeure partie des joueurs, des youtubeurs en ont marre de ce jeu. Ouais, en moment la moins, communauté. Ça marche encore. Ouais, c'est vrai qu'il retourne leur veste au dernier moment. Puis il a explosé au niveau des ventes, donc ils s'en foutent. Mais attention, en Trier, je te promets une révolution pour l'an prochain. Black Ops 2. Autant que Black Ops. Ce sera le 2. Ah, quand même, allez, j'y crois là. Non, mais même non. Pas. Mais non, tout à l'heure, on l'a fait le test. Ouais, mais là, il est accroché. Ben ouais, je sais. Même pas quoi. Mais non. Oh putain. Voilà, ça voilà. Ça, c'était l'une des premières features sur les premiers FPS. Ouais, de 2007. Où on pouvait péter quoi. Ouais. Mais non, mais même de 2007, tu rigoles. Dans les Fear, les années 90, quoi. Mais sur console. Oui, mais sur console, j'en avais pas. 64, GoldenLine, Perfect Dark, tu peux péter. Il y avait des Dungeons & Dragons dans Perfect Dark. Sûrement. Je m'en rappelle pas en tout cas. Moi, je m'en rappelle de Fear en tout cas, 2005, mais. On joue à qui le plus vieux, tu sais. Ouh, comment Half-Life aussi. Ouais, sûrement. Putain. Bon, là, c'est joli les effets de lumière tout à coup là. Bah, je crois que l'avion il est un morceau en moi. Oui, c'est pour ça. Non, mais attends, on se fait pas aspirer. Non, ah, je vais même aller prendre le bord, celui-là. Attends, mais pourquoi on se fait pas aspirer là? Ah, peut-être que je rentre en ça, non? Non, mais attends, il y a un gros problème de réalisme. Pas du tout. En vrai, t'es comme ça. Bah, je veux bien que le. Ah, une météorite. 2012, c'est ouais, là. C'est FIFA quand même. Non, mais attends, là, il y a zéro réalisme, je suis désolé. Ouais. L'avion, même s'il est en train d'atterrir, genre où le. Au moins, dans Uncharted, on se fait happer quoi. Les terreaux sont en train de l'atterrir. De le poser, oui. De le poser, quoi. Ouais, là, quand même, c'est juste lol, quoi. Parce que je veux bien que la queue de l'avion se casse, mais bon, t'as quand même. T'es aspiré, surtout direct, à la vitesse, quoi. Direct, t'es aspiré, quoi. Non, mais c'est bizarre, ça. Alors, on nous avait dit qu'elle était excellente. Ouais. À part le fait qu'on se prend 2-3 chocs dans la gueule. Les vagues, ouais, c'est intéressant, ça, oui. Quand c'est notre ami Emile qui conduit le bus, quoi. Ouais. Mais bon, parce qu'il a fait des tours de rond-point. Il y a quand même une bonne mise en scène, mais franchement, c'est vrai que ça fait un peu piquer parfois, là. Non, là, ça. Hop là, allez on y va. Bon là c'est toujours comme ça. J'aime pas trop moi quand on avance comme ça en fait. De toute façon, on fait le jeu parce qu'on voulait le faire, mais on a eu. Bah on va voir ce que c'est aussi. Mais on voulait voir le jeu du monde. Mais là quand même, je rends compte au bout de 1h20, 1h30 de jeu de solo. Ouais, limite. Hein. Que le jeu il est fait pour Kevin, 12 ans américain. Genre, Ouais. C'est que bon, après peut-être que vous pouvez bien sûr aimer ce style de jeu, mais c'est que nous, force, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment le problème, c'est que c'est du revu. Il mérite pas du tout son engouement total. Après moi, ce qui me désole, et c'est vous pouvez se faire critiquer, c'est pas un souci. Et on vous l'a dit, puis vous aussi, la plupart d'entre vous le pensez aussi. C'est que ils associent trop FPS au multi, donc du coup le solo ils s'en foutent, il n'y a plus d'histoire. Donc clair, soit on fait comme Brick, on fait un pseudo tutoriel plutôt en fait, pour multi, ou on fait un semblant d'histoire alors que c'est complètement fail quoi. Genre, ouais. Voilà. Mais c'est que quand on prend le solo comme ça, comme on le fait en tant que partie intégrante du jeu. Parce que nous, vous faites partie d'une génération où on achète un jeu, on veut quand même jouer, on veut avoir une histoire, une aventure. Genre, même si. Mais ouais, je sais pas, mon code 2 et 4, c'était encore satisfaisant. Le 5 était vraiment. Il commençait déjà à être un peu moisi. Après, voilà, à partir du 5, ils ont fait que copier le 4 et c'est dommage. Pourquoi ne pas avoir réinventé quelque chose? Sûrement le contexte s'essouffle aussi. Cette guerre là en trois parties, en trois épisodes. Ouais, surtout maintenant que les troupes américaines ont quitté l'Irak. Ouais, non, mais, ouais, mais après, bon, ils sont pas encore en rougie, c'est pour ça, mais je veux dire. Voilà, c'est la même chose, le mec qui va partir quand il y a la grenade. C'est de l'ultra connu, on va dire. Hein. Mais même si on suit les scripts, après, voilà, c'est. Moi, je trouve que c'est assez moyen niveau plaisir. Hein. Ouais, c'est affligeant. Ça a l'intérêt d'être varié presque au niveau des. Pas des phases forcément de jeu, mais des endroits à peu près.
Splinter 5 Black Ops en tout cas. Hein. Bah, tu sais, les mecs ils scramblent les textures et les features. Hein, bon, alors ça, c'est un morceau de Modern Warfare 2, la neige. On va copier-coller le sol. Ouais, on va prendre les mêmes chasse-neige et les mêmes Rumors. Bah, c'est sûrement les mêmes, de toute façon. Modern Warfare 2. La plupart des jeux le font aujourd'hui, donc. Hop là. C'est à peine plus intéressant que GoldenEye, la démo là. Sur le Reloaded. Hein. Bah, non, parce que non, mais quand t'es fan de James Bond, tu pleures quoi. Ah, il est horrible, Reloaded. Là, tu pleures pas, tu rigoles. Hop là, donc bien sûr que j'ai son chargeur et jamais il sera par terre. Hein. Donc vous pensez que c'est con, mais c'est quand même un souci de taille important. Non, hein. C'est l'écologie. Ça s'appelle l'écologie. Et Activision et sont des activistes, comme leur nom Activision. Et ils se soucient de l'environnement. Et de surtout de développement durable. Est-ce que je brûle là? Toujours pas. Toujours pas. Dommage, ouais, c'est vraiment le jeu que tu ne peux pas perdre. On est venu dans ces jeux-là, quand même, tu ne peux pas perdre. Tu dois suivre le mec, mais le mec ne bouge pas, donc c'est un peu chiant quoi. Ah, t'as une mitrailleuse au fond. Il est là le mec là, attends. Oui, mais il veut que je fasse quoi? Je sais pas. Il veut que je suive. Je suis. Voilà, j'écoute suivre. Voilà ce que c'est suivre. Donc c'est n'importe quoi. Tu en deux ou trois pour déclencher le script, sans grenade tu vas mourir. Là, il se met à terre. Mais il est touché, il meurt jamais. Il y avait cette animation depuis Call of Duty 2. Je ne rigole pas. Se mettre à terre et mettre en genou, c'est la même quoi. Oui, qui bague. Oh, t'as vu? Il recule parce qu'il y a des méchants. Et voilà. Il change de couverture. Il recule. Attends, si je te vois dessus. Ah putain, mais chaud, il est handicapé, regardez-le. Regardez-le. Il va au combat. Mais putain, j'ai tiré au-dessus. Oh là là, tous sont tapés cette scène moisie là. Non, c'est bon. Elle est moisie cette scène là. Mais oui, j'avance alors. Je te suis. Oh, baril. Voilà, baril. Le même baril que dans code 1. Code. Oh putain. C'est triste. Hein. Non, me tire pas dessous. Ah, il est là. Alors, attends, on va changer de truc là, voilà. Je suis blessé. Ah, parce qu'il est là. D'accord, il est là, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon pote? Je sais pas, il est où. Lol. Alors ça, c'était quelque chose... C'est une bonne chance, à dire, oui. Ouais, mais depuis le 4, quoi. Oui, bah, on va dire, oui, bah, ils vont pas changer le fait de pouvoir prendre une grenade. Non, mais il met des animations. Un coup de pied, notre animation, je sais pas. Un squat, tu vois, il fait un 360, hop, il... Je rêve de vous mettre des coups de pied dans les grenades, moi, tu vois, ça aurait un truc intéressant, peut-être, tu vois. C'est peut-être pas faisable, mais. Il se réveille. Ah, il se réveille. Il se relève. Il est pas mort. Il se réveille carrément. Il est aussi à gauche. Ah, il se relève et tout va bien. Lui, il te vise. Ouais, il y a le véhicule. Ouais, hop là. Attention. Ok, c'est bon. Tu tues ce doigt de droite là, c'est bon. Ah, là, t'es là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Va avec lui là. Bon, je suis, hein. Non, faut suivre, hein. Si on suit pas le script, tu te rappelles bien, Black Ops, on en avait voulu faire chier, ouais. Les fifous, on s'était fait éclater donc. Enfin, les fifous, on veut juste passer à gauche. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je pense que tu peux même pas passer à gauche, hein. Parce que comme il y a le véhicule. Bon, là, il y a personne qui fait. Il y a personne, hein. La musique devient épique, absolument épique. Et on va à côté, le truc explose. Putain, mais... Ouais, je pense que tu es sorti du rail, du coup, tu vas mourir. Ouais, je vais mourir là. Je vais mourir là. Allez, vas-y, avancez là, la sécurité du compromis. Ouais, mais vas-y, aide-moi, quoi. Donc on passe par là, tranquille. J'adore, effectivement, quand ta visée se lève, c'est magnifique. Allez. Ouais, c'est que... On voit que les niveaux retombent, ils sont quand même bien moins aspirés, là. Hein. Ouais, le sol. C'est 1 sur 3 qui a l'air intéressant. C'est quoi. De la neige ou c'est des plaques de tôle? C'est de la moquette, en fait. Ah, ok. C'est de la moquette, oui. Non, mais tu peux pas tester la moquette, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que là, ils sont allés ils ont pris 200 km² pour chez le roi Merlin, parce que c'est chaud, quand même. Ah, c'était en promotion, c'est pour ça. Bon, le niveau nocturne, c'est déjà ça, on va dire, hein. Bon, j'ai pas de visée nocturne, par contre. Objectif atteint, suivez le président, vite. C'est pas lui le président, c'est le commandant. Là. Attends, on était pas dans l'avion, là? C'est le président, non. C'est les gardes du corps. Là, c'est le président, là. Là, c'est le président. Il va bien, le président? Il va pas trop bien, gars. Hein. Ah, putain, chaud rasage. On incarne des Russes. Regarde. Ah, tu ne partiras pas, président. Ça va? Bien, bien. Droit de passage. Allez, faut payer l'octroi. Non, ah non, faut que tu ouvres la... Ah, faut... Ah bah alors j'y vais, hein. Je vais vous l'ouvrir. Allez, parti. Clignote. Putain, elle est pas très belle, la porte. Oh putain. Oh, Makarov, il m'a dans la tête. Et du coup, voilà, je me disais, pourquoi on incarne un russe? Non, fais pas ça, Makarov. Pour qu'on se fasse descendre. Et voilà. Comme dans Modern Warfare 2. Ouais. Oh putain, chaud. Tu es président? Non, ils vont le kidnapper. Ils vont le kidnapper. Ouais, ils vont le kidnapper. Ils vont le kidnapper. Ils en ont besoin vivant. Ouais, il y a un peu quand même d'éthique chez Activision. Tiens, boum. Boum. Oh, quelle violence terrible. Méchant Makarov. C'est quand on y réfléchit? Ah, tiens, Makarov est devenu rouge parce que c'est devenu le méchant, t'es. Ah. Là, il n'est pas encore. Hein. La Russie prendra toute l'Europe, même s'il n'en reste que des cendres. Les codes de lancement. Toujours la même chose, ils jouent les codes de nucléaire pour lancer. Alors, c'est devenu la guerre moderne maintenant, mais c'est vrai que.
Quand il est les cheveux qui brillent, le président. Quand on y réfléchit, effectivement, c'est vraiment la oh, excellent, épique moment, attention. Ah non, mais t'as tué quand même. J'en sais. On n'avait pas quand même tout de suite prendre le gun et tirer sur Makarov. Attends, dis-lui de redémarrer plus tard parce que là, il veut redémarrer. Il fait allez, s'il vous plaît, on arrête ce jeu là. 4 heures, voilà. On en a bien pour 4 heures, t'es. Ouais, parce que Windows aime bien nous redémarrer le PC en pleine période de mise à jour. Ah, vidéo, claque, tiens, hop, en bas, magnifique, un PC et tout. Donc là, présidence russe n'est jamais été arrivée, voilà, en Hambourg, tu vois, clac, tu vois, magnifique, le briefing et tout, hein. Et mais ils sont forts en collage de post-it, n'empêche, hein, clac, oh putain, c'est un arbre. Rien de suivi 5. Et théâtre inédit, j'ai envie de dire, pour code. Bon, en même temps, là, t'inquiète pas, hein, c'est les mêmes mecs et les mêmes bâtiments qu'à Favela. Que les Brésiliens, c'est ça, ouais. Et on fait la même. Alors. Aucune idée, mais pour lui, c'est très important. Ah, d'accord, Nyuri et Price, hein, il est bien fun. J'aime bien mettre des coups de flux de stabilo boss, de marqueur rouge, trop professionnel, c'est les mecs, c'est travailler et tout, quoi. C'est secret défense et tout, allez, on a des mais c'est vrai que l'Afrique, je m'en rappelle pas l'avoir eu. À part Code 2, la Seconde Guerre mondiale, mais sinon, voilà, donc là c'était la scène. On en a part 2. Elle était d'ailleurs assez nue, on va dire, cette scène. Ultranationaliste, Makarov. Voilà. Donc eux, vous voyez qu'ils sont dead, là, c'est les kills in action et tout. Kills in action. Ouais, et dead, c'est dead, hein. Mort. Wouah, c'est un Black Ops ça. Oh là là, ça fait du Woods avec Black Ops là, ça chaud hein. On dirait Black Ops hein. Okay. Ah, attendez les gars, s'il n'y a pas Price là. Mais Price il déchire, c'est le seul mec que j'adore. Tiens, les qu'est-ce qui se passe dans le ciel là, ils ont voulu faire quoi là? Il y a des libellules. Non, mais attendez, c'est... je veux bien qu'il. C'est de la poussière là. Non, mais je veux bien qu'il saute poussière. Il pleut, c'est chaud quand même. Tout ouais, c'est tout à fait normal ça. Non, c'est normal. Bah si, il y a de la poussière. Alors, dans la forêt. Ouais. J'ai envie de dire c'est un peu normal quoi. Bon, moi c'est Black Ops hein. Ah mais on est en Afrique, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de texture HD en Afrique. Oui. Ah bravo. Alors Ah oh, putain mon vélo, fais chier. Appuie sur rond pour vous accroupir. Ah pardon. Ah, merci. J'ai pas écouté. Vas-y on est grilleux. Ok. Kickscope. Fais mourir. Moi je me suis allongé, je suis mort. Bon. Vous avez alerté l'ennemi, restez furtif. Mais attends, je comprends pas. Regardez mon vélo, t'es. Ah là, mais fallait que tu suives le script. Fallait que tu restes rond. C'est bon, j'ai compris, je vais le suivre. Là, voilà, c'est bon là. On voit, hein, c'est pire que chez nous, hein. C'est pire que la North Korea. Hein. Ah, t'as à droite de rien faire. Hein. Tu me mets une balle à la tête, à saupe là. Et bah, t'as fait trop, c'est la même chose. Hein. Merde, c'est là. Ça, on vous peut la montrer. Hein, que dès que tu. Bon, là, c'est bon là. On va les écouter, on va voir ce qu'ils disent. Ouais, on va voir ce qu'ils disent. C'est ultra fou là. Oh! Il y a du truc rouge. Il y a du rouge là. Il est mort. Eh oui, c'est il y a du communiste ici. J'ai rien vu. Hein. J'ai laissé le script jouer. Alors, comment ils ont leur présentation d'Afrique? Ouais, Far Cry 2, c'était plus. Ouais, ils ont joué à Far Cry 2, puis ils ont mis texture SD. Alors. Ouais. Ça change un petit peu quand même, on va dire. Bah, c'est un mais décor qu'on a jamais vu quoi. Ça ressemble quand même pas mal à Black Ops. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, le problème, c'est que comme les couleurs sont fades, on tourne en rond un petit peu quoi. Ils ont mis des papillons. Putain, ça a plaire à Dixon ça. Ouais, regardez. Mais c'est des enfants soldats ou pas? Attends, que les anges vise étaient. Alors, il y a une chose quand même de supérieure dans le code, hein, c'est qu'on peut tirer à travers les textures. Enfin, il prend en compte la pénétration des balles que dans Battlefield il prend même pas en compte. C'est-à-dire que même à travers un rideau, tu tires, ça marchera même pas. C'est absolument pitoyable dans Battlefield. Ah, ça, une hyène. Faut la tuer, elle est méchante. Par toi alors. Quand c'est rouge, c'est méchant. C'est méchant. Faut tuer. Quand c'est vert, c'est. Voilà. De porte. C'est vrai que les séquences avec Price sont juste épiques, hein. Genre là c'est. Ah oui, il s'est fait tché, il s'est fait violer. Ouh ouais, t'apprendras toi. Fais dire la vérité. Oula. Un bidon. Je t-bag. Donc là, voilà. Le mec, regardez, encore une de la violence gratuite. Il va immoler le mec, voilà. Il est même pas carbonisé, j'ai envie de dire. Sinon, ah non, il y a pas de changement de skin comme dans Dead Island ou dans d'autres jeux. Hein. C'est clair, même Dead Island, effectivement, ils font bien brûler les mecs. Hein. Quand tu tires en l'air, il est content. Il est une balle à la tête pour voir, tiens, pour voir ce qu'il y a. Sympa. Non, je pense pas. Ah, ok. Faut laisser partir. Donc là, c'est une mission de furtivité en fait. Hein, ah, bah, Christ, rappelle comme dans Modern Warfare 2, en fait, quand on est arrivé dans le camp, dans la base. Dans l'Arctique là. Non, ah, regarde, oui, mais dans Modern Warfare 1, il y avait Tchernobyl aussi. Avec Price. Ouais. Enfin, on incarnait Price plutôt en fait. Et dès que tu sortais de la zone, t'es radié, tu mourrais. Ah, c'était énorme, hein. Il y a des mines, faites attention, comme ça, t'es. Attention. Il reste. Oh merde, je me suis levé. Non, parce que j'arrive pas à me baisser comme il fait lui, tu vois. Genre me baisser la tête. Ah, on sort DLC. Pas me baisser la tête. C'est 2€ le DLC pour s'accroupir. Semi-crouch, ma pack. Alors, on fait quoi là? C'est quoi ces papillons? Donc on voit. Des queues de renard magnifiques. Non, je regarde en. Est-ce qu'ils sont modélisés en 3D?
Ah, à mon avis, ils sont pas en lien 3D. Le fichier JPEG qui était. Tourne autour de toi. Alors, je trouve que le fichier JPEG qui était affilié à cette texture est manquant, on me dit. Putain. Go, 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 go. Bah attends, suivre qui? Mais lol. Et voilà, voilà. Voilà, c'est ces techniques, tu t'es fait repérer, t'es mort. Hein. Donc, ça, c'est un truc que j'aime pas aussi, c'est que tu t'es fait repérer, t'es mort direct. Mais par contre, oui, ce que j'ai traîné en regardant les papillons, c'est ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est-à-dire, ce jeu, on a zéro liberté. On peut rien faire. Donc vous allez me dire, oui, si tu joues le jeu, c'est bien. Mais putain, mais si on veut on veut être libre dans un jeu, quoi. On veut quand même se prendre notre temps. Ouais, ils vont dire, tu joues pas à ça. Bah, je sais pas, moi je joue à ça, je vois ce que c'est, mais c'est que liberté, c'est zéro. Bon, ok, si on suit le script, mais même si on suit le script, c'est pas non plus palpitant. Vous allez pas me dire que c'est extraordinaire de voir un mec qui se fait immoler, faire autre lol, je cours et tout. Suis-le. Il faut rester là, comme ça, là. Putain, chaud, quoi. Exactement, c'est chaud. Exactement la mission. Dans code 4 et dans code 6. Ah oui, non, c'est ça, mais tu sais, il y a toujours la mission. Avec Price, c'est exactement les mêmes. C'est Price. Hein. Oui, mais juste pour ça. Les mecs, tu sais, ils marchaient dans le 4, ils marchaient dans le champ. Tchernobyl, oui. Tchernobyl, tu sais, juste à côté de toi, il y avait là. Pripyat, je crois, en Ukraine. Ouais, hein. Une troupe, hein, carrément. Oui, des soldats partout. Des soldats. Ensuite, ouais. dans le 6, c'est dans la neige avant d'accéder à la. Ouais. À la base, il y a des chiens, il y a des mecs et tout. C'est oui, dans les bois, c'est la même chose. Bah, franchement, ça fait. C'est qu'Infinity Ward reprend les mêmes mécaniques. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, effectivement. C'est-à-dire comme quoi on peut faire encore plus d'argent en faisant exactement la même chose, en fait. C'est juste. Voilà, faut y réfléchir, juste. Hein. C'est un peu philosophique, faut y réfléchir. C'est chaud, quoi. On refait la même chose, mais du coup, comme les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes découvrent la série avec ce jeu. Je trouve ça une catastrophe de découvrir Code avec le 8. Hein. Personnellement. C'est assez triste, on va devoir les éliminer, tu sais. Ah, oui, mais si vous vous taisez, si vous êtes dans l'ambiance, c'est quelque chose de très positif puisque vous êtes là, vous êtes sous pression. Mais pas du tout. Allez. C'est juste une séquence où tu dois suivre la personne. Tu joues pas. Tu suis la personne. Je peux même pas le faire, ça. Tu écoutes les ordres et voilà. On peut vraiment rien faire, en fait. Hein. Et tu n'es jamais seul dans Code. Il y a toujours quelqu'un aussi à côté de toi ou qui te guide, qui t'assiste, ou il y a un texte qui apparaît. Non, mais c'est bon, arrête, on va vomir. C'est qu'on mangeait, on va vomir. Ça ressemble effectivement, comme tu l'as dit, aux favelas. Hein. Ah, bah de toute façon, oui. Alors, ils vont dire c'est l'Afrique. Bon, écoutez, c'est cette vision de l'Afrique. Ah, pardon, monsieur. Ah, il m'a pas vu. Il a même pas vu. Ah, oui, c'est le script FIFA, là, du. Oh là, voilà, dans la gorge, c'est pas ce jour là. Allez, on le tibague et tout, là, on le viole, on attrape ses viscères, on le pisse dans l'œil, il meurt du sida, quoi. Putain, mais c'est le petit moment dans la forêt ou quoi. C'est chouette, hein. Voilà une sorte d'exemple de la violence banalisée. Et après, qui fait que les enfants au collège se mettent des coups de couteau, tu sais, enfin des faux, bien sûr. Ouais, hein. Pas encore des vrais, bien sûr. Ils font genre commando. Parmi vous, abonnés des Chitamen, il y en a certains qui nous ont témoigné de leur fourrasse. Hein. Voilà, ça va être ultra violent comme dans Black Ops, voilà. Voilà, ça fait même pas de trou, je parie, hein. Bah non, regarde son trou, regarde son cou. Et voilà. Même pas, quoi, putain. Ah non, ça, c'est de l'ombre. On dirait le mec de Resident Evil 5. Enfin, il y a des magnifiques Ray-Ban, hein, des fosses, tout. C'est ouais. C'est... Alors, protéger. Tu dois prendre le sniper. Voilà. Donc, dommage qu'on puisse pas déployer un bipied, tu vois. Parce qu'il y en a un dessous, tu vois. Non, là, on le voit là. On le voit le bipied, tu vois, dessous. Mais, là. Mais tu peux pas. Mais c'est nul de pas pouvoir le déployer. Moi, c'est un truc que. Il y avait que dans le 5 qu'on pouvait le déployer. Mais du coup, le premier. Attends, je tue le deuxième, c'est faux ça. Mais t'as pas silencieux, je crois. Ah si, pourtant. Ah putain, t'en fallait pas que je tire de ça. Si, tu dois le protéger. Merci. C'est gentil, Soap. C'est Soap. Price. En face. Ils sont en face. Voilà, ils sont là. C'est Soap ça! En face, Soap! Attends, mais choupe! Soap il est en face du noir! On soap, hein! Fait exprès, bien sûr! Oui, mais attends! Pour la télé, bicolore! Voilà, tu vois. Il y a eu encore une animation ignoble hein, quand il s'est relevé. Hein. Il a glissé sur la texture, tu sais. Que les animations dans Battlefield ont fait un travail remarquable. Ouais. Et ça se voit direct, hein, les animations là. Mais attends, mais. Et nous, on reste ou pas? Oh, Jerry! Je suis en retard, non? Ouais, je crois. Mais ils m'ont pas dit de redescendre, j'ai dit protégé! Alors, j'ai pas écouté, mais bon. Oh, la vache morte, dégueulasse! Et personne m'aide parce que l'IA s'est barré. Enfin, s'il s'est barré, il m'a abandonné quoi. Et je pense que si t'avances pas. Oh putain, la vache, on dirait qu'elle est en plastique. Mais c'est peut-être la vache de fou d'Irene. Oh là là. Encore plus moche que dans Skyrim. Les mouches elles sont très bien faites. Regardez, encore écoutez. Plus moche que dans Skyrim. Ouais. Ah si, ah, si, plus. Oh putain, chaud. Ah là, attends. Franchement. Lol. Ah là, franchement. Là, c'est... Si vous... En vrai, si vous voyez une vache avec un pic comme ça. Et c'est Price, putain. Price, putain. C'est qui l'indique. Je suis choqué, je viens de voir une vache là. Une vache dans ce jeu quoi. Un animal qui ressemble à une vache quoi. Un ersatz de vache on va dire. Parce que les poules. Allez, c'est les poules de malade. Allez, Andal, c'est les poules. Qu'est-ce que sont les poules là. Elles font du surplace. Regardez, le week-end, discothèque. Putain. On a fait un transcendoscope. La poule. On a fait un transcendoscope. Discope.
C'est comme étant, on fait comme dans sa cartoon. T'as mis chaud, franchement. Pourquoi il y a des kiss club la poule? Ça sent un délire de Infinity Ward. Ah, je dis, heureusement que t'as des poules, sinon j'aurais arrêté le jeu quoi. Attends, t'as des trésors là-bas, c'est le Minitel secret et tout. Ah, il y a les Minitel des. C'est bon, les Minitel. Ah, je peux faire remplir. Fake. Voilà les couloirs quoi, voilà. Ah, je vais crever quoi. Ah, il y a Kirigou caché derrière la toile. Lol. Bon, allez, c'est parti, j'ai bien ri quand même. Ah, mais bon, c'est collector ce jeu. On remercie toujours Antoine Isaï de nous avoir envoyé ce jeu. Je lui ai dit, vous allez voir, il est génial. C'est dommage qu'à l'écrit on peut pas sentir l'ironie, mais bon, c'est que lui il a aimé ce solo. Mais bon, après, nous c'est que nous. T'as pas été repéré, t'as vu? Je veux dire, parce que nous on joue pas le jeu, t'es bah si, un petit peu quand même, on fait un peu ce qu'on peut. Waouh! Bah, au bout d'un moment, j'ai un. Oui, non, mais comme on vous l'a dit, nous les jeux où il y a que des scripts, voilà, on les fait, mais on aime bien rigoler, puis justement, chacun fait le jeu comme ça. J'avoue, ils sortent les scripts en carton, j'avais chaud. J'ai dit ça que j'aurais dû rester en hauteur. Ah, en fait, putain, il y a les chiens qui ont un chien aussi. Ah, le chien m'a violé. Yuri court, il a pas un pour m'aider, hein. Non, il gère très fort, quoi. Il court aussi. Donc c'est bon, j'ai compris, non, je vais les sniper bien fort là. Ah, mais il y a le script qui. Oui, mais ils vont sortir. Le chien est sorti tout à l'heure, je l'ai vu, il mord des Price. Voilà, tu t'es fait repérer, donc là, ils vont tout sortir. Non, pas encore. Il y a la poule là-bas avec. Qui scope la poule elle danse toujours, hein. C'est les poules de Borat. Attends, mais t'étais pas alerté? Non. Parce que en fait, je tue les deux directement. Un sop monte. Ah, ça y est. Une autre patrouille. Neutralise là. Ah non, c'était le message d'avant. En haut là, c'est le troupe. Voilà, donc le meuf ici. Le sang quoi, c'est. Le côté arcade. Oh là là, il nous a fait un moonwalk! Le côté arcade permet de quand même s'amuser avec les. Lol, soap, mais relève-toi. Avec les snipers, je trouve c'est pas mal. Si tu là, il y en a dans ma cabane. Cabane au fond du jardin, oh là tu les défonces, tu les one shot hein. C'est ça aussi qui déplaît parce que dans Battlefield 3 ça one shot pas forcément hein. Là il y en a deux ou trois encore là. J'arrive. Viens là. Du coup je sais pas ce qu'il faut que tu fasses après, il faut que tu rush middle ou pas. Regarde ça. Il fait le masticon quoi. Oh voilà, terminé. Attends, il est où là? T'es où? Il est là, en bas là, à côté des poules je crois. Il protège les poules. Objectif mis à jour, rejoignez le capitaine Price. Ah mais il y a un mec en bas, là, deux là. Il a jeté une grenade. Hein. Est-ce que la grenade va tomber, exploser? Oui, attends, non, attention. Moi, c'est que les impacts sont un peu gros, hein, on va dire. C'est du gros calibre. C'est le. Voilà. Mais non, putain, il reste bien approché ce con. Bon, je pense que t'as pas trop le temps de faire le con, donc fais attention quand même. Attention, il y a un mec y a là. Un méchant là. Il y a un mec derrière toi aussi, fais gaffe. Ah, je vois que monsieur a des problèmes aux yeux. Pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça c'est une non-IA en fait, on appelle ça dans le milieu. Les poules Disco Dance tout le temps, elles sont complètement folles les poules, regardez. Regarde, mais franchement la poule. Grenade, moi je pense que ça propose une flash. Une flash. Une flash. Grenade flash. Poule de merde. En fait c'est un suivi. J'ai j'en ai été c'est ça, mais en fait c'est ce que les poules sont des suivis. Et ils t'attendent, ouais t'attendent. Ah non c'est des gentils. Ouais, c'est méchant quoi, chaud. Mais qui violent les poules et les Africains, tu peux utiliser ma sœur, hein. Pas de... C'est la télé. J'ai tué un civil, j'ai tué le mec à la télé. Bon, ils sont partis où? Là. Ah, ça pense au favela quand même. Hein. Ah, ben ouais. Nettement. À la fuite, à la poursuite à la favela. Ouais. Il a le canon scié lui. C'est une mission pas trop mal, mais c'est que là, il n'y a pas de nouvelle phase de jeu pour l'instant. Il est à 2 mètres, il nous tire dessus. Oui, mais c'est. L'autre, il a juste. Ah, j'ai mal. Ah, ça me gratte pas là. Ah, je perds ma vie. Et l'autre, il court avec le canon scié. Écoute, ce sont des Africains. Ça va servir d'argument, c'est écoutez. Je pense qu'ils ont juste. C'est vrai que. Moi, tiens, il fait ça, il fait. En utilisant l'argumentation de Benoît XVI, ouais. Tout se justifie. Effectivement, c'est dramatique. Hein. C'est assez dramatique. Ouais. Ouais. Aïe. Oh putain, chaud. Ça crie tout. Putain, c'est R5, quoi, les gars. Allez. Ah, t'avais les mecs qui avaient les doubles comme ça en ligne, là, ça y allait. Hein. Putain, j'ai des tatouages, je suis trop dark. Ah, t'es dark. Hein. Ouais, je te dis, je suis venu passer level hardcore là. Attention, sauf parce que tu vas lui mettre des chargeurs encore, je pense. Hein. Ah, je pense aussi. Ouais. Oh là là, ni vu ni connu. C'est qui lui? Je sais pas, il est black. Il y a un mec en haut. Price aussi qu'il a un chapeau donc. Y'a. Couvre-moi. C'est Price qui couvre moi je crois. Jamais. Comment tu couvres le capitaine? Il s'est touché, il recule, il fait. Ah, attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Oh là. Voilà. Je sais pas si tu peux aller là. Oh putain, il a bugué. Ah non, mais dessous. Vous avez vu, il a frisé pendant 2 secondes, un freeze d'animation, il bougeait plus. Il fait attendre, on tire dessus, chaud. C'est impossible. C'était pas prévu, tu sais. C'est pas prévu, tu sais. Il a se coupé, on arrête. Putain, si tu viens se creuser là, faut me le dire aussi. Moi, c'est pas marqué sur ma feuille. Ah, il s'en va. Ah, mais trop lolo. Ah, fais gaffe qu'ils meurent pas tes potes. Bah, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi ils sont encore plus cons, les mecs? Ah, tu perds ta vie, c'est chaud, ça lève super haut. Il y a un mec à gauche là, en face, là, ici. T'es intelligente. Oh, peu de respect pour les ancêtres. Bon, allez, j'enlève ce sniper de merde.
Je veux aller 18 parce que ça, j'ai dit quoi s'amuser avec un petit pistolet. Il me faudrait le Akimbo là. Allez, regardez comme il court comme un handicapé. On l'avait dit avec ces pistolets là, c'est absolument magnifique. Neutralisade, c'est gentil ça. Ça, c'est méchant. Le RPG en plus. Ah. Ouais, mais ils ont tous les RPG dans le dos, comme t'as dit, c'est un skin, hein. Ils l'utilisent pas. Voilà, par contre. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a du réalisme à la Medal of Honor, c'est pas, essaye. Bon, en vrai, tu le pètes quoi. Genre, de loin. Bon, de loin, tu peux le toucher quand même. Hein, Après, faut voir comment comme ça, joue arcade, il nique un peu les distances de tir. Hop là. Bon, allez. Continuons avec notre ami Price. Allez, c'est donc, c'est vraiment un truc américain qu'on a vu et revu. C'est-à-dire qu'au début, on est en infiltration, tu vois. Tout se passe bien. Oui. Et là, tu nous claques. Embuscade. C'est vraiment de l'américanisme primaire classique. C'est tout se passe bien jusqu'à ce que ça dégénère, quoi. Oh putain. Dans les années 80, c'était bien avec Rambo, tu vois. Ouais. Mais bon, en 2011. C'est pas trop bien, quoi. Allez, soap. Et moi, pourquoi je peux pas tomber dans la boue et. Déjà, il se talie pas, hein. Bon, c'est pas grave, ça. Tu sais comment il se retourne, ouais. Voilà. Il voit là, c'est vers la mare. Parce qu'en fait, il y a. Lui, en fait, l'IA elle est pas calquée sur un corps humain. Donc du coup, il se retourne et tu sais le corps il se retourne comme ça, tu sais. La chose c'est ah comment on dit qu'elle est épaisse l'eau. Bref. Ah, une séquence de rail shooting dans le véhicule maintenant. Ça faisait longtemps. Voilà, Japine, c'est parti, pousse-toi, t'es pas sûr. Naturellement, aucun respect pour les ancêtres. Allez, c'est parti. Je maintiens un rein, tout pète partout, je maintiens un rein. Là, ils se mettent bien là autour d'un baril, non? Bah non, c'est baril, ici, voilà. Elle chauffe même pas, on dirait Far Cry 2, les gars, même dans Far Cry 2, elle chauffe, con. Allez, c'est parti. Là, il y a un mec à côté du baril. Là, il y a un baril. Là, il y a personne par contre. C'est pas grave, ça va être tu quand même. Allez, la réunion de famille, photo de famille, les gars, on se met tous ensemble et on prend photo. Je peux viser si je veux. À gauche, ils sont à gauche. Là, ils sont à gauche. Enfin, là, à gauche, carrément. À gauche, de gauche, là. Là. Enfin, c'est un peu vraiment comme du Jiu-Jitsu pour handicapés mentaux, effectivement. Je pense. Mais faut pas trop leur donner en rééducation non plus, ça peut. Ça peut entraîner une rechute, j'ai envie de dire. Par contre, là, j'ai envie de voir le mec. Et chauffe pas quand même. Le mec qui joue en vétéran. Il est mort direct. Hein. C'est que c'est impossible ce jeu en vétéran, il est assez chiant. Je pense que ce jeu en vétéran doit être bien. Putain, j'ai perdu. Tire le mortier. Putain, tu meurs jamais dans ces jeux, c'est comme Battlefield de merde. T'es là et puis. Voilà, tout la même chose. Tu t'es fait exploser, mais c'est pas grave, tu peux quand même courir. Puis je regarde. Attends, la pauvre poule qui brûle. Prends une cuisse. Oh. Respect pour les poules, pour ça, la SPA a rigolé. J'aime bien, c'est un putain, peu comme mon canapé. C'est un peu comme le classeur 4000 de Cartman, tu sais. Dès que les choses tombent au sol, ça fait un peu assimilation courte. Et hop, JPEG, ça assimile la texture. Assimilation calculette nounours, tu sais. Oh, close line for ça, c'était épique, ça. Juste pour ça, pouce vert. Ah non, j'ai bien aimé, là. C'était bug, tu sais, il marche, il fait fuck. L'IA lui dit d'avancer, tu vois, mais ses pieds, il va faire, donc ses pieds restent coincés. Un peu comme dans FIFA, en fait, hein. Ah mais là c'est la poursuite, hein, genre la fuite carrément sur les toits de favela. Ouais. C'est la même chose. Mais ils savent, normalement ils disent attends ils ont pas fait Modern Warfare 2, je tombe comme une merde alors que. Exactement, Price, exactement la machette. Oh. Exactement. Tu peux le prendre. Et non. FIFA ou quoi. Mais ça aurait été bien. C'est exactement comme dans favela, t'es dans favela. Oui, tu tombes. Tu tombes et tu dois tout refaire. Un passage aléatoire. Mais c'est ça. Alternatif. Non mais franchement c'est. Putain, chaud. LOL. Ils se sont changés. Ouais, ils ont arrêté. Mais si on pense aux mécaniques, au mécanisme, c'est exactement ça. Je suis devant, c'est bon. Oh là là. Il y a un hélicoptère, non? C'est le tsunami ou quoi ici, quoi? J'ai vu une arme lourde. Oui, il y a un bordel là. On l'entend, non? Un hélicoptère. Il y a du mortier et un bordel aussi. Free clinique. Docteur S. Rebar. Vous êtes où? Là, ils sont là. Oui, je vais rester là. Putain, mon ventilateur. Bon, allez, on monte. C'est marqué. Attends, on va monter. Ah lol. T'as vachement sécurisé l'escalier, hein. Bon, et ça, il est mort tard. Et tu utilises le mort tard. Faut le réutiliser, voilà. Et évidemment, sympa la truc. Là. Putain, il les met très vite. L'explosion, elle est très très laide aussi, hein. Regardez comme elle est rapide. Oh. Ah ouais, chaud. Aucun okay, lançon. On en si, au cas où, FPS. Tu n'es pas sûr hein, que c'est les véhicules que tu dois tuer. J'anticipe. Mais c'est que. Non, il s'arrête. Il n'y a pas de trajectoire à avoir là. C'est 60 là, FPS, c'est magnifique. Là, tu prends, claque, tu. Bon, c'est très fluide, hein, mais regardez, il y a trois couleurs à l'écran. Non, t'es. Trop tôt. J'ai raté. Ouais, trop tôt. J'ai bougé, moi. Et il le met très très vite, par contre. Hein. Un peu trop vite à mon goût. Ah, j'ai réussi. Ok. Lol, je me fais RPG 7. Finalement, alors. Toi, dans le code 5, c'était encore drôle à l'époque, on pouvait les prendre à la main, les mortiers. Et les activer à la main, tu vois. À la Rambo, quitte à ce que ce soit nul, autant que ce soit vraiment. Loufoque, tu sais, genre tu prends les mortiers à la main, tu jettes sur les viettes et tout, tu les partages en deux. Kamikaze, c'est chaud, tu prenais les mortiers, tu les tapais sur le sol et ça les activait. T'as vu presque qu'il dit viens alors que tu es à côté de lui déjà. Ah, viens là-dedans. C'est juste que le temps que Sop enlève son petit sécateur suisse, hein, tout le grillage. Allez, bouge-toi. Si je reste là. Lol,
s'il te plaît, laisse-moi passer. Il me fait les yeux tout ronds. Ouais. Oh, il veut que je passe. Oui, il veut que je laisse passer. Allez, c'est parti, Price, je vais te laisser passer. Alors, magnifique roulement d'eau, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, le renard et tout là, je te contourne. Oh, le contournement. Ah là, tac, tac. Ah, ils sont déjà morts. Ah, dommage, hein, dommage, j'allais contourner. C'est le script, hein. Mais je sais, il va encore plus vite que moi, quoi. Ah, Sop, ouais. Sop, il rush middle, hein, j'ai envie de dire. Alors avant se plaigner parce que tes potes ne tuent pas, mais là c'est plus que de l'assistance quoi. Ça c'est mal calculé. Là les mecs ils font ça tout seul hein. Pourtant dans le sous-marin ils laissaient tout faire, tu vois, ça dépend du niveau en fait hein. Ouais mais les mecs ils attendent, le mec c'est la compagnie de Sop et de Price, c'est ça. Les mecs ils assurent, tu vois, c'est le mec de Modern Warfare 2, c'est voilà. Par rapport au skill quand même, code 2. Bah Price qui se prend des bastos, il est au sol, il se relève et tout. C'est comme Price, c'est un peu un mec. Un développeur d'Infinity Ward, hein, c'est un mec qui est partout dès qu'Infinity Ward fait le jeu. Mais Price, c'est le seul mec qui a la classe, tu vois, de code, donc voilà. Alors, hop, hop, hop. Ah lol, j'aurais pu atterrir sur la terrasse, tu sais. Non, mais franchement, c'est pas drôle là. Allez, on continue. Sop, Sop qui casse tout la baraque, Sop. Allez, ouais. Donc là, on fait du cover to cover là, ouais, ça se protège et ça tire, allez. On fait du tir aux pigeons surtout, oui. Là, qui sont là, ils sont un peu à moitié morts, on sait pas trop. Ça y est, objectif point de contrôle atteint. Donc c'est triste quand même de voir qu'il n'y a pas de couleur depuis le 4 quand même. Oui. C'est vrai que parce que là quand même, on aurait pu faire une Afrique beaucoup plus colorée que ça. Ah ouais, franchement. Parce que même si vous voulez dire, tu tombes dans la saturation, clac, ça pète de partout, voilà quoi. Même si les terres, les maisons en terre, etc., genre, sont assez fades, ternes, mais couleur colorée. Genre la terre, tu peux la faire, je sais pas, mais tu peux avoir des nuances. Non, mais en vrai, c'est fade. Ouais, mais non, c'est pas fade en vrai. Moi, je regarde par la fenêtre, voilà. L'herbe, elle est super verte. Ouais, mais bon, chez nous, c'est une région où il pleut mais souvent. Enfin, je sais pas, en Afrique, bah, dans ces cas-là, le sol est super orange. Il est pas marron, merde. Bah, ouais, tu vois. À moins qu'il chie par terre, je sais pas, quoi. Putain, j'en ai marre, là. Et là, tu vois, pourquoi on pense, genre, enlever le courant, ça les électrocute, tu vois. Mais il y a plein de pistes comme ça à étudier. Enfin, je pense qu'on va aller envoyer un CD à Activision et leur proposer nos services. Non, mais c'est la Infamous, les claques. Ça en fout partout. Bon, ok, il y a plus de courant dans cette maison, mais je sais pas, il y a quand même des restes. Bah, le parfum, tu vois, t'as la gueule, tu vois. Là, tu défonces la porte, tu vas les tuer en haut, quoi. Pourquoi la porte elle est en JPEG 2x2, quoi. Et parce qu'il faut passer par là, tu vois. Et. Ouf, t'as chaud. Ça, le mec, c'est des gardes du corps. Hein. Ah, ouais. Mais c'est vrai que c'est. Pourquoi tu tires pas là-dessus sur la truc, ça les pète, la parabole. Enfin, rien. Toi, t'es trop lent, je pense que là, ils vont te canarder. On est sur un rail shooter, où c'est qu'on peut avancer de 2 mètres de large, et voilà, quoi. Et pourtant, franchement, quand on voit l'argent. Parce que même le côté spectaculaire, il y est, tu mets des graphismes de fou. T'as un truc de malade, franchement, non, tu révises même si c'est linéaire, t'as un truc de malade. Après pour la linéarité, tu qu'est-ce qu'il dessus. Fait lui. Il a vu comment il est super vite. Il y a sûrement l'auto-commando. À mon avis, ouais. Attends. Et pourquoi je peux passer là, tu sais. Enfin, why, quoi. C'est par contre, le sang il ressort, tu vois. Bon, il est très mal fait parce que vu comment il ressort. Surtout que on est dans une pente. Et il monte genre le sang. C'est de la terre. Mais très très fort le sang. Mais c'est de la terre. La lune attire le sang. C'est très compliqué. La gravité est inversée ici. C'est très compliqué, j'ai envie de dire. Oulala, Sop, attends, il est fort. Allez. Wouah. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre. Combien de copeaux. Hop, hop, hop. Magnifique. On arrive à un endroit encore plus sombre. Un peu la rage là. Ah, pardon. Bah attends, s'il te plaît. C'est quoi les verres ici. C'est. Mais pourtant, il y en a qui sont cassés. Hein. Chaud. Peut-être qu'ils sont tellement vus qu'ils sont moisis, donc du coup, ils sont incassables. Sinon, toujours la musique à moitié épique, à moitié nulle. Il déplace la cargaison. On a plus le temps, il a dit. Il l'a fait. Allez, des porcs ou des poissons. Des porcs, non, plutôt. Rien. Des porcs, pas trop. C'est pas des porcs. C'est pas des porcs. Hein. Des petits porcs. Bah, je sais pas, ils sont tout petits. Hein. Des petits porcs, non. Là. C'est des chèvres. Non, des moutons. Des chiens. Des chiens. Je sais pas. Leur enfant, peut-être. On va éteindre la lumière. Eh non. C'est pas un avalour de PD, j'ai envie de dire. Pourquoi il y a de la lumière ici, là. C'est le soleil ici. Attends, on prend la M60. Allez, c'est parti, la M60. C'était l'arme cachée du niveau. On l'a récupéré, c'est bon. Nourri, bouge quoi, t'es lol. Non, le jeu, faut que tu ailles, quoi. T'es, faut que j'ai une course à faire. Allez, puis on recharge tout à une main, t'es le mec. Easy money. Allez, on y va. Je suis sûr, il y avait des trucs partout ici, là. Mais t'es bloqué, je pense. Ah, si, c'est... Je me fais tirer dessus. Ouais, parce qu'il y a le mec, il y en a un, tu sais. Mais chaud, mais Sop il passe, il tue pas quoi. Mais Sop, non. Je suis pas d'accord, Sop. Mais pourquoi j'allais là alors. Pourquoi ils me disent de me bouger. Ah, ils sont encore derrière, ok. Bon, attends, grenade. On avance vers l'église. Il est pas mort. Non. C'est des flashs ou une. Oh putain.
Oh putain, chaud, j'ai dit. Les mecs, ils ont élevé des chiens, en fait. Des hyènes. Non, mais c'est des hyènes, hein. Ah, ils ont domestiqué des hyènes. On revient aux listes de la jungle, aux fondamentaux, j'ai envie de dire. Vas-y, va dans l'église, va dans l'église. Attends, je recharge quand même. Et la pompe, bah, c'est là. Et un niveau en plus, c'était l'autre côté du niveau, c'est la sortie et tout. Ah là là. Que de travail pas fait. Mais c'est qu'en un an, c'est chaud. C'est un peu comme un Assassin's Creed. En un an, ils ont des idées, mais voilà, ils ont pas les moyens. Et franchement, putain, bon, bien sûr que je pense sérieusement que le prochain, par exemple, sera inévitable qu'il fasse un moteur de fou. Il y a zéro recul, on l'a dit. Mais là, on voit, c'est flagrant quand même avec l'M60. Hein, le mec tire comme ça. Genre, en fait, c'est en vrai, fait comme ça normalement, mais bon. Putain, déjà, tu peux pas te tirer debout avec ces armes-là. Elles ont un bipied, mais c'est pas pour rien. Quoi. Après, c'est un jeu arcade, donc tant pis, c'est pas grave. C'est... À la limite, ça accepte. Attends, il y a un minitel. Ah, la trappe à pédobert là, hop, j'active. Voilà la messe en live. Donc, si les calculs sont bons, la trappe est ici là. Moi je plains les mecs, les journalistes hein, qui doivent hein, lors des tests ou lors des solus, chercher tous les ordinateurs ou tous les solus. Horrible, hein. Ça doit être ignoble, franchement ça doit être ignoble. Là j'accepte que là le mec il en peut plus quoi, tu vois. Ah je veux une promotion. Ah, c'est clair, là il faut une indemnité et tout, tu sais, une prime. Hein. Sans, peut-être bullet time. Voilà, ah, et j'ai la rage. Et voilà, vas-y, une balade. LOL. Ah, nouveauté séquence dans mon Pokédex, je note dans la séquence Pokédex. Il y avait pas ça, hein. Attaqué par une hyène enragée et tuer les. Pendant qu'elle vous bave dessus. Les méchants. Vu là. Oh là là, il y a zéro impact dans le corps. Il y a zéro impact dans le corps. Y'a rien là. Viens là. Tire. Oh maman, cargaison. C'était des mondes de faire froid. Jerry, elle me mord au bras. J'ai pas mal. Vu les crocs que ça a. Mais c'est une hyène vraiment. Oui, c'est non, mais c'est des hyènes. Quand elle te mord, elle doit te défoncer. Où est Makarov? Bah, il est pas là de son Makarov. Hein. Il nous a laissé quoi? Ah lol. Ah, putain, il y a des trucs dedans. Le mec, il est en train de remettre le couvercle et il s'est perdu quoi. Il y avait des kits de développement 3-6. Allez, on continue. Allez, mission terminée, j'ai envie de dire. Quoi, continue? On a incarné maintenant SAS Burns. Donc, les missions peut-être à Londres. Hein. Ou tu sais, où la petite fille se fait éclater. Corse. Londres. Corse et Londres. Corse. Donc, Corse, oui, en France, hein, chez notre ami Luxen. D'être bien content. Ouais, le port. Ne t'inquiète pas, c'est Londres. La France a lancé un appel. Livraison suspecte. Donc là, on est hop, voilà. Londres. Le M6, hein. Oui. Oui, c'est le M6 qui est là. Bien, messieurs, que savons-nous? Rien de précis. Putain, pourquoi ils disent M5? Non, il y a le M5 aussi. Il y a deux qui disent ça. C'est la contre-intelligence et l'autre aussi. Mais XP fois plus, tu vois, c'est au-dessus, le vol au-dessus. Et là, hop, c'est où? Hereford, le headquarters des SAS. Et c'est là qu'on commençait dans le 4, il me semble. Parce que. Ouais. Mais c'est pas trop mal sinon c'est map tu vois tactique. Mais c'est que des cinématiques seraient plus bien envoyées quand même. Une cinématique dans l'ombre. Et ça implique de faire un moteur cinématique, j'ai envie de dire. Allez, bon nous on n'est pas encore allé à Londres, mais bon, on reconnaît quand même sûrement parce qu'avec The Gateway qu'on vous avait fait quand même, attention à la marche. Donc là c'est la gamine, elle s'est violée, c'est ça là. Ouais je pense. Enfin, violée, c'est violée, genre, le violet ça aurait été trop drôle. Ah, à 130. Vas-y. Attends, écoutons. Il y a plusieurs camions portant l'inscription Charity Worldwide. Nous pensons qu'il s'agit de la... J'ai mis les sous-titres ou pas au fait? On les avait pas mis je crois, mais si ce sont, ok. Et de couleur. C'est quoi? Je sais pas. Vas-y, on va le faire pour le nombre de joueurs, ça veut dire voilà, c'est lui et tout. J'y arrive pas trop. Donc, jouons en sensible 4, on pourrait jouer plus. Mais... 10, coup, vas-y. 10, hein, c'est un, va être un joueur. Ouais, on finira comme ça en 10, je pense, sur quelque chose. Les camions donc, nous, on est plus à Londres, là, je crois, on est au Carrefour, non? Attends, parce que si y a un A130 qui survole Londres, c'est encore plus que la guerre, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Alors, pourquoi pas, on va dire après tout, hein. Non, mais peut-être que c'est pas un A130. Ouais, c'est un quoi? Non, peut-être c'est un drone ou un bah, vu que moi j'ai un pointeur au bout, ça me semble. Bah, là, mais c'est pour faire des photos. Ah, des belles photos alors, j'espère. Sur eux, là, si j'appuie sur R1, ça vous a fait une belle photo. Vas-y, fais tout péter, oui. Non. Alors, on détecte des signatures thermiques. Donc là, voilà. Worldcraft, il parle. Bon, voilà, ouais, il y a tout le temps eu ça dans le code. Hein. Ouais, ah, voilà. On incarne Bell. Pendant Black Ops, c'était. Comme dans tous les autres. Ouais. J'ai envie de le coter. Et là, il tient son couteau. Le couteau rapide, c'est le couteau tactique en fait. Hein. Oh putain, il nous fait des courses sur place, allez. Ah, regardez, il court à fond mais il en chie. Ah, méchant. Il court à fond mais il en chie, tu sais. Ah, putain. Tu sais, il faisait 30 secondes au 100 mètres. Allez, ouais. Mais regardez, j'avance. Il fait l'animation comme s'il courait à fond, sauf qu'il avance pas. Putain, les effets d'eau là à la Battlefield, quoi. Ouais. Bon, extraordinaire. Même à la Uncharted dans le monde, carrément. Ah, tu vois, t'as les aides couleurs là, quand tu vises le mec, il est plus. Ouais. Il est pas forcément vert. Blanc. Ouais. Il est donc, vert. Là, c'est la Blumel Bank. Et là, voilà. C'est nickel, donc là c'est. Allez, faire un comme Uncharted, je vais regarder ce que c'est Londres. Mais pourquoi il est allé là-bas? Il est plus. Bon, on va rentrer là, on sait jamais. En fait, il joue à 2-3 soleils, t'as vu? Il est. Ouh, il a perdu lui. Ah, mais c'est le script en fait, t'aurais dû suivre le mec, il l'a tué en fait. Ouais, non, mais attends, je peux tout faire moi.
C'est disque dur, P90. Attends, en période de crise et tout, là, c'est clair. Hein, ça coûte cher, les disques durs. Donc là, c'est des petites cartes son ou PC graphiques, même carrément certaines. Alors que les sons des armes sont meilleurs. Oui, c'est sûrement des bombes en fait. Des, des piles. Ouais, bah oui. Non, mais je sais. Bon, on va faire un PC avec ça, les gars, là. Allez. MacGyver. Hop. Mais ça, c'est beaucoup trop MacGyver. Ça, MacGyver. Et avec ça, il fait une voiture. Alors. Quoi, la poubelle ? Cody. Mais c'est vrai que voilà. Pas pouvoir bouger les piles, ça me désole. Je suis choqué par ça. Est-ce que j'ai un masque comme ça ? Dommage que ma visée ne soit pas encadrée dans ces. Oh, pardon. Il comprend pas les scripts. Ouais, vas-y. Rush middle, rush middle. Voilà. Donc à Londres, il pleut. Hein. Toujours. Alors. Donc là, encore bon, il me semble que c'est linéaire. Hein. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. On suit et on rentre dans les bâtiments. Ah, ouais. Nickel. On ouvre carrément des portes. Non, pas moi, pas moi. Hein. Ah, dit go, go, go. Bon, j'y vais, go, go, go. Alors. C'est moi où les papiers apparaissent. Oui, je te dis, from nowhere, ça. Il pop soit du sol ou du plafond. Ouais, c'est ça, il sort de là. Ouais, regarde. Il y a une réserve. Regardez. Regardez, il va s'envoler là. On va voir s'il s'envole. Mais c'est un JPEG qui le fait s'envoler. Là, vous avez vu? Ouais. C'est magique. Et sans bouche d'aération. Sans maquillage, comme dirait Borat, tu vois, sans problème. Allez, ouais, parce que bon, comme nous, on suit pas trop le script là, du coup, il joue pour nous. Il joue pour nous. Bon, après, ça change rien, je veux dire, sans que vous soyez là ou pas, vous le voyez pas en fait. C'est que vous pouvez pas le tuer. Bah, si, faut être à côté pour qu'il le tue quoi. Ouais, tu peux pas le tuer quoi. Un ordinateur portable. Allez. Les mecs, c'est j'ai hérité. Moi, je vais là, tout PC, le geek, t'es, c'est parti quoi. Des caisses de munitions. Ça pète les caisses de munitions. C'est léger pour des caisses de munitions. C'est clair, non, ça pète. Bon. Là. Ah, un petit match de foot là. Que c'est bien fait, les amis. Cela me semble être la finale FA Cup en 1976. On va regarder. On va regarder un petit peu, tiens. Oula, il y a but. Alors. Non, c'est en temps réel, hein, genre la vitesse. Ouais. C'est la capacité du jeu à pouvoir streamer. Streamer des on n'a pas touché. D'autres images. Il y a pénalty de jeu. Attention, on va voir. Alors, moi je prédis un corner en fait. Le deuxième là, minute, centre. Tête, et il dégage en corner. Et là, c'est ça, la séquence allait reprendre parce qu'on est arrivé là. Effectivement. Mais c'est triste que c'était hyper lent. Oui, je sais pas pourquoi. Ça en chie pour streamer quand même. Ouais. Là, là, là. On joue sinon ou pas? Que j'arrive en fait et ah, tu meurs. En fait, c'est le jeu, c'est trop puissant. T'appuies sur. Comme je disais, joueur du grenier. T'appuies sur le bouton rouge pour finir le jeu, tu sais. Ou même VGN avait fait ça aussi. Si t'appuies, voilà, t'appuies sur le bouton, ça finit. Oh merde, j'ai glissé. Toi, on n'a pas le power glove, hein, tu sais, tu rentres les pommes et tout. C'est clair. Clac, clac, clac. Ça atterrit tout sur la top gun, attention. C'est là. Donc là, c'est des ménageurs magnifiques. Donc là, on est dans un quartier en Angleterre, mais on n'est pas à Londres alors. Si, on est à Londres alors. On est dans un quartier. Ouais, plus loin quoi, tu vois, dans les quartiers un peu les quais industriels, tout ça, les entrepôts quoi. Ouais, mais il y a une banque à côté. On arrive là-bas. Ouais, c'est la banque, la fausse banque. Mais il me semble qu'on est toujours à Londres de toute façon parce que. On n'est pas à la base des SS, mais ça, c'est parce que bon, ce serait pas comme ça, tu vois. Ben non. Donc, en plus, on va arriver à Londres après, donc. Ça bouge partout, il y a des grenades, c'est parti quoi. Ouais, parce que les mecs, ils renvoient les grenades, ils tirent. Toi, tu fais pareil, mais tu tires pas. On tire pas une balle, on fait que le coup. Ah, mais je finis juste sans faire une balle. Pour voir s'ils vont les tuer. Tu vois, ils les tuent en fait, hein. Oui. Le jeu est encore vivant. En fait, attends, avant, c'était pas aussi assisté que ça. Il faut marquer les mecs en face, tu vois. Ici. Ah, ben oui, jamais se mettre à côté des véhicules, ça explose. Il y a le logo, vous avez été tué par l'explosion d'un véhicule. Depuis le 2, il y a ce logo et ça me dit en plus que moi je me fais prendre à chaque fois. En fait, allez voir, tu sais. Voilà, tu vois, c'est qu'ils vont se faire tuer. Un peu comme le pouvoir de la force dans Star Wars. Ouais, ça, tu les marques en fait, un petit peu comme dans. Ah, tu vois. Wouah, il est pas mort. Fait doucher, toi, bah si, quand même. Hein. Ah, parce que non, je pensais que c'était. Tu peux le réveiller ou pas? Non. Il a un peu mal à la nuit, comme à mourir. Ah, ça me gratte dans le dos quand même. Allez. Donc, reste à distance des véhicules. Voilà, vas-y là, je vais tout péter là, parti. Il se relève, hein. Non, il se relève. Normal, attends, fuck you, il a dit. Tu me tues pas, c'est l'IA. Non. Ça va tuer, non? Moyen. Je sais pas, je suis pas sûr. Hein. C'est corrosif ça. A priori, si tu tires, ça pète. Hein. Je pense aussi. Ouais, tu trouves un endroit secret. Bon, nous, on est à la recherche des PC, on rappelle. Putain, chaud, qu'est-ce que tu fais? Il te suit, il avait envie, comme ça. Je cherche les PC et les posters Battlefield 3. Alors, attention. Faut tirer quelques balles comme ça, sinon. Mais c'est clair que voilà. Là, il y a un mec qui est derrière toi, tu vas tirer. Je pense moi jamais j'aurais voulu. Derrière toi, là, il y a un mec, tu vas tirer côté. Ce cheat play, jamais j'aurais voulu faire sur Battlefield 3 parce que c'est. Non, je pense qu'on aurait tenu une heure, après on aurait dit bon, c'est bon, on arrête. Parce que c'est même pas drôle, cela, à la limite, comme c'est arcade, j'arrive à jouer, tu vois, mais c'est nul du tout, on se promène, on arrive à jouer. Battlefield, c'est noir, on l'a dit, c'est. Il y a rien, c'est quoi cette voiture là? C'est une Nexus, non? Reste à distance, ils vont la faire péter, tu vois. Là, faut aller dans le camion. Ouvre les portes, Burns. C'est moi, Burns. Et là, ça a pété. Qu'est-ce que je dois faire? Ah là.
Des grandes portes. Avec les deux poignées, tu sais. Oh mon dieu! Oh mon dieu, le camion est vide. Mais, vous pouvez nous dire où sont les autres? Attends, y'a peut-être un. Va dedans! Putain, y'a rien, quoi. Ouais, pas rentrer, quoi. Chier, pote! On bouge! Bah, on bouge alors, bougez! Voilà, on a le Little Bird qui vous aide là, comme à la fin du 2. On a toutes les références, désolé. Tu peux passer par là. Hein. C'est linéaire, j'ai envie de dire. Ah là, c'est la définition même du couloir. Hein. T'as une zone de 4x4. Tu veux contourner, c'est mort. Hein. D'ailleurs, on trouve ça en multi quand on fera un bonus. En multi, c'est pareil. Hein. T'as un couloir et c'est fini. Voilà. Ou t'as un point central et tu fais le tour. Voilà, c'est vrai, quand fini. T'as testé les maps, on a fait start pour voir le plan de la map. Et on a eu. J'ai cherché à dézoomer pour voir, mais. Ouais. On va dire au moins c'est nerveux, mais tu pop et t'es déjà à l'autre bout de la map quasiment. Je pensais que tu pouvais monter, pas du tout. Il y a juste. Faut arrêter de penser, je pense, dans ce jeu. Je sais pas si c'est des méchants ou des gentils. Heureusement que j'ai mis l'assistance parce que c'est vraiment. Pour handicaper. Comment on est handicapés? Oh là là! Attention, porte dérobée et tout là. Mais c'est déjà c'est mes gentil. Potes. Mais Jerry, t'es déjà là et. Ils sont même pas flashés. En fait, au moins t'es content de trouver une porte, c'est déjà fini quoi. Ah, c'est vrai, c'est okay, mec, hein. Je pense que c'est le code le plus assisté. Hein. Ouais. Ah, t'as pas eu le prochain, c'est pour ça. Ouais, mais j'ai. À l'heure actuelle. On a fait tous les codes. Ouais. Et là c'est d'une tristesse. Non, mais tu fais quoi là? Je sais pas, y a peut-être un ordinateur caché. Je pense qu'il y a un ordinateur caché. Voilà. Attendez les gars, nous on fait moi, les solutions. Moi je fais que ça là, je vous les montre si vous les voulez. En même temps, c'est normal, dès qu'il y a un chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils reculent. Ouais, ils reculent, mais ils t'attendent en fait. Ouais, ils sont très gentils. Comme c'est que c'est ultra assisté. Bon, c'est bien, il y a un esprit d'équipe. Mais bon, de là à ce qu'ils te fassent tout, voilà quoi. Limite, ils te prennent par la main quand t'es en retard. Ah oui, là, avant on gueulait parce qu'ils étaient là, mais ils tuaient pas. Il y a un juste milieu. Mais bon, là, ils du tout. Ils participent, ils meurent, je sais pas quoi. Faut réfléchir là-dessus quoi. Ou alors peut-être leur donner des ordres un petit peu. Mais faut pas avoir peur de prendre des risques pour code. Voilà, ça fait 8 ans que c'est la même chose. Mais là vous prenez, c'est le même cahier des charges, hein, Gérard. Ouais. On a eu cette séquence là, on a eu une séquence infiltration, une un séquence en drone, poursuite sur des toits, sur des hauteurs, des chiens, des du bullet time. Tu mets tout ça, check tout. Le joueur Andic, il est content. Ouais. Et il y a tout ce qu'il fallait check en fait, vraiment. C'est dommage qu'ils prennent pas de risques, hein. Des véhicules. Il faut pas avoir peur de dénaturer la série parce que de toute façon ceux qui sont contre le progrès, bah, ils joueront en cela. Hein, parce qu'il y en a quand même 4 qui sont copiés-collés. Ouais, tu refais le saut, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en a 5 qui sont les mêmes. Du 4 au 8, c'est exactement les mêmes. Donc il n'y a pas de problème, les gars. Il faut pas avoir peur de faire un truc de fou, de changer. Mettre des ordres un petit peu, pourquoi pas, ou des systèmes, je sais pas, de vie, de donner des munitions à tes potes. Je sais pas, il y a plein de pistes. C'est pas en haut de vous trouver des pistes, hein, les gars, les développeurs. Hein. Vous êtes fait un milliard en 15 jours, c'est à vous d'innover un peu. Avec le nom Call of Duty, genre, même ça se vend tout seul. Là, vous faites de la merde, mais tu fais encore plus de la merde. Je pense que les mecs ils achètent quand même. Ah, mais tu fais n'importe quoi, ça se vend. Mais oui. Et c'est pour ça qu'ils devraient prendre, ils devraient en profiter. Justement, c'est pour tenter. Ça, c'est un des points positifs finalement de la super notoriété qu'ils ont. Ils peuvent tenter n'importe quoi, ça marchera. Mais après, forcément, ils auront forcément des vraies critiques. Mais je veux dire, ça marchera. Tu fais n'importe quoi, ça marchera. La preuve, ils ont fait Black Ops. Ils ont fait un truc là, voilà. Même là, d'après, ils font ça. Alors que quand t'as fait le 4 et le 6, celui-là, c'est une abomination, c'est le même. Trois quarts des joueurs n'ont pas fait le 4 ou le 6, donc. C'est vrai. Après, tu sais que je m'en vois quand même Black Ops, c'est la place, ils disent, le 6 c'est tout, c'est mon premier déjà, tu sais. Chaud quoi. Il y en a qui pensent que lui, c'est la suite de Black Ops aussi. Ouais, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, il y en a plein qui disent ça aussi. Comme si Black Ops c'était le premier, quoi. Black Ops 2, c'est pour 2012, hein. Enfin, peut-être Black Ops 2. Apparemment, c'est Black Ops 2. Une première ils veulent lancer. Si Treyarch prend le même nom que l'ancien. Ouais, qu'ils veulent lancer une sorte de. Nous aussi, on va faire notre série. T'sais. Oh, nous aussi, on va faire des Black Ops. C'est les méchants, c'est bon. Ah ouais, c'est un méchant. Mais il est avec toi. C'est tes potes. Non, mais c'est les méchants. Ah putain. Il buguait, t'as vu? Il rampait, je crois. J'ai pas compris. Parce j'ai que pas compris, moi. Nos potes, ils étaient où? Tu dois monter dans le métro, oui. C'est la séquence du trailer. Ah, voilà, mon dieu, là, le reveal trailer. Il y a l'explosion partout. Mais ouais, putain. Il met 9,5 best shooter of the year. Ouais, ou pour avoir son nom dans la pub, mais 5 sur 5, gameblog.fr, c'est ouais, stégé, ça, c'est bien. 6 sur 5, il était tout droit au Panthéon des jeux vidéo. 45 sur 40 Famitsu. Bon, le Panthéon n'est pas encore construit, mais on le met dans le Panthéon des jeux vidéo, c'est pas la même chose en fait. Oh mon dieu! Eh non, je pensais que tu pouvais faire un petit raccourci. Ah, ils ont même pas muré cet espace déjà, c'est la même chose, mais ils avaient mis un truc en plastoc quoi à la place. Bon, suis-les parce que sinon tu vas louper le. Je vais louper le train! Le métro là, et regarde, tu vois, la porte est ouverte. En fait, t'avais rushé avec les méchants. Oui, ok, d'accord, autant pour moi. Jerry, quand même, hein. voilà, si tu sais pas, le script est mort quoi. Nous, dès qu'on commence à parler à droite, à gauche. Non, mais moi, je faisais un peu mon instinct, ça, j'essayais des choses, tu vois. Mais non. Écoutons le bruit. Il est très très ignoble ce bruit de voiture qui accélère. On l'avait déjà entendu dans les trailers, en effet. Chaud quoi, le bruit.
un rail shooter, comme on avait vu tout à l'heure. Un rail shooter, effectivement. Un de plus. Allez, c'est parti. Zéro gravité, 0-1. Il y a l'ascension de vitesse quand même là. Ouais, mais voilà. Tu ne bouges pas. Ah non, je bouge pas. Non. Ton, voilà, le personnage ne bouge pas. On a un petit. Oh, c'est pareil que le niveau du train dans Battlefield 3. Mais sinon, là, au niveau de la vitesse, ça pète quand même. On va super vite. Bon, bien sûr, j'ai rien à faire. Oui, voilà. Même si je reste comme ça et je tire pas, tu vois, c'est pareil. Hein. Ouais, je pense aussi. Je tire, c'est. Voilà, c'est pareil. C'est comme il doit arriver à un point B, donc. Ah. Je vais tirer dessus, t'sais. Moi, je dis ça, je me fais tirer dessous. Viens là. Non, c'est bon, c'est devant. C'est prévu pour que ce soit un peu pour quand t'es pas très fort. Hein. Si vite, tu tires pas sur c'est trop lol. Mais... Ouais. Voilà, allez, on entre dans le cœur de l'onde maintenant. Oh là, extraordinaire. Il conduit comme un fou, j'ai envie de dire. C'est Price? Non. Non, même pas, c'est Griffin. Qui à part le Griffin, il est chaud. Oh non, non. Sion. Ouais, putain. T'y as cru, hein. Oh, le coup, il conduit trop bien, Little Bird. Mais attends, je regarde la scène. C'est un film, je regarde. Mais laisse-nous savourer. Putain, on joue trop, j'ai envie de dire là. Chaud. C'est moins joué, quoi. Lol, con. Oh, il n'y a même pas d'inertie quand il tombe et tout, quoi. Oula. Et s'il y a un truc en face, on fait comment? Ah, y'a personne qui crie là. Bon, sinon, j'aime beaucoup chaque fois les niveaux des trains en fait, même s'ils sont pas mal de jeux. Il y a au moins, voilà, c'est pas sur un truc qui déplace, c'est quand même pas mal, quoi. Allez, hop. Ah, mais ça ne vaut pas quand même Uncharted 2 ou Dead Space 2. Non, mais je veux dire, voilà. Oh là là, là, franchement, comment c'est pixelisé. Ouais, non, c'est là qu'on l'avait vu. Dans le trailer, on avait fait lol. Il fait lol l'explosion, après il dit c'est fluide. Je m'étonne que ce soit fluide. Vu la technique, voilà quoi. C'est quand même. Attention. Oula. On sait pas ce qui se passe. Bah, il a derrière. C'est la merde, il déraille tout. Ouais, voilà, bien sûr, voiture. Bien sûr, je tombe, bien sûr. Hein. C'est épique. Ah, c'est épique, Mickey, cette vidéo là. Allez. Ah mon dieu. Et à chaque fois, t'étais là, tu te réveilles à moitié mort, puis il y a Makarov qui arrive et il t'achève quoi. Non, peut-être pas. Tu vas arriver. Allez, Makarov. Que va-t-il se passer? Je sais pas, on ouvre les yeux. Mon dieu. Et il va nous mettre une balle à la tête. Sauvegarde, oh, sauvegarde. Gros. C'est pas souvent qu'on en voit des comme ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, non? On finit la mission, non? Ouais, oui, genre, oui. Ah, doit être fini. Moi aussi, ça vous aura aussi. On va voir si à gauche, si ça met une nouvelle mission, mais je crois qu'il faut la finir quand même. Super, tu vas bien. Ah putain, il est où Griffin qui conduisait? Bravo 6, traite-moi un rapport. La rame s'est fracassée sous Westminster. Ils s'en servaient comme moyen de transport. Attention, Bravo 6. Les camions se dirigent. Griffin. Oh merde. Porte-le comme ça. C'est dommage. Putain, il était fort et tout. Fais-le, tu vas avoir échec parce que tu l'as pas su. Ah putain, c'est clair. Vous avez trop regardé votre copain mort. T'es... Bon, allez. Tant pis, les gars. La guerre est triste, est injuste. C'est comme ça. Allez, vite, niveau opération métro, t'es. Westminster. Attends, je regarde si c'est bien fait. Il y a déjà les méchants, tu sais. Oui, ils sont déjà là. Putain, ça. Ah putain, pas mal la porte qui est tombée comme ça. Eh oui, pile pour qu'on monte. Eh oui. Follow. On a pas vu là, t'as pas vu? Oh, il est gorge. Mais non, mais fallait voir le script, il court vers lui, l'autre il dit rien et tout. Qu'est-ce que tu sais? J'attends l'autre. Eh, pas les dégorger pour. Deeper. Ah, mais ça. Ah, attention. Oh là là, magnifique. Un show. Là, je pense que là, je note dans mon deuxième Pokédex. C'est incroyable, là. Ah oui, là, c'est. Changer de page à force, on a plus de page quoi. Tellement de nouveautés dans ce jeu. Regardez. Arrête de me faire perdre ma visée. Et la caméra en haut elle bouge, no fake. Mais regardez ça. Dégage toi. LOL. Ils sont tous les deux à côté. Ok. Posez la manette tranquillement, tu vas me laisser partir. Hein. Donc voilà le métro, hein. Bon, on va chercher où on est non plus, on n'a pas que ça à faire. C'est incroyable. Ouais, c'est extraordinaire. Des bouteilles de vin dans une valise. Faites pour voir. Ah non. Ah c'est peut-être une ça fois. Ça tire tout autour. Hein. Toute une fois parce que c'est pas autorisé les bouteilles de vin dans une valise. Nous on fait rien depuis tout à l'heure, le petit déglingue. Non, ça je fais rien depuis tout à l'heure, je me promène, je vois ce que c'est, 0-0 là. Aïe. Des mecs partout, fais gaffe. Esquive. Attends, vas-y, tu. Oh là là. Vous inquiétez pas si vous entendez des coups, c'est le voisin qui découpe sa femme. Ouais, c'est ça. Il a dit, vous inquiétez pas, j'en ai pour quelques heures. Il a vu le pendant les ordures, attends, je fais pareil. Le temps de remplir quelques sacs, c'est bon, vous inquiétez pas, y'a pas de problème. Hein. Le petit joue à cache, vas-y, tire dans le distributeur de canettes pour voir s'il existe quelque chose. Ça s'effondre même pas quoi. Ouais. On va arrêter, c'est même pas, c'est. Même pas. Oula. Oh merde, c'est. C'est pas qu'il faut aller, je pense. Chaud, y'a des méchants ici. Tout de suite, y'a des. Putain. Ouais, c'est bon, c'est fermé. On y va quoi au cinéma alors? Deeper. Le time. World stands on the brink. Message caché.
Wow, ça c'est bien fait. It's time to invest. Mais c'est quand même pas... ouais. J'ai envie de dire, c'est le moment Activision. Faudrait investir effectivement. Effectivement. C'est un message pour les développeurs en fait. Qu'est-ce que c'est? Non, je le joue pas moi. Parce que si tu tires, tu vas le tuer. Oui, c'est ça. C'est à toi d'y aller, mec, c'est ta merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de la musique dans son iPod. En fait, il fait comme ça pour changer de musique. Et là, il est content, c'est bon. Lol. Grenade, il bouge pas, t'es. T'as plus de mine après. Kikou. Grenade. Kikou. Grenade. Lui aussi, fais gaffe. Dégage. Putain. Mais qu'est-ce c'est de la merde, hein, ça. Vous voulez pas me défendre ça quand même. Il y a 6 vides là, fais gaffe, le tue pas. Hein. Tu me dis ça, moi, chaud. Ouais, parce que, en fait, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là. Putain, on dirait Lost là. Un peu comme dans Dead Space, c'est. Ouais, dans le moral. Ouais. Bah, tu sais, juste quand nous on voit une toile, ça y est, c'est voilà quoi. Mais attention, ça n'a aucun rapport avec Dead Space. Hein. On cite des jeux parce qu'en fait, pour monter le niveau de la vidéo un peu, tu vois. On cite des vrais jeux quoi. Bon, sinon, c'est plutôt joli là. Enfin, architecturalement. Ouais, ça change quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours beaucoup plus inspiré que des vieux hangars de nuit quand même. Hein. Là, vers le métro, c'est quand même pas trop mal quoi. Pour les mecs là. Aïe, aïe. Putain, je suis quelque l'autre là. Comment il s'appelle? Warcraft. Warcraft, Minecraft. Croft, on va l'appeler, on va l'appeler Minecraft. Lara Croft, Minecraft. Et... ah, pas mal. Non, grenade. Je suis à la glisse, hein. Oh, je l'ai envoyé. Non, mais non, je crois pas. Il t'a tiré dessus, de toute façon, je crois. Non. Ah, les enfoirés, non, toi, c'est les grenades. Hein. Kenny, ah, les enfoirés, il a dit. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là là. Oh là là. C'est assez animation quand il se met ouais, ah, regarde, t'es, les scènes. Comment ça scintille, t'sais, les petites explosions comme ça, t'sais. Vous voyez que le mec il pousse-toi. Il soude. Moi je te laisse te débrouiller avec eux. Et il va même pas les tuer quoi. Enfin, il va en chier pour les tuer. Hein. Et eux jamais ils vont utiliser une prise contre lui quoi que ce soit, t'sais. Eh, chaud, c'est bon, la D2 ou quoi ici, t'sais. Un qui regarde et trois qui foutent rien. Et le. Non. Il avait cook ou quoi. Il me l'a renvoyé. Ouais, je crois qu'il l'a renvoyé. Non, parce qu'elle était vieille, ah. Il l'a renvoyé. T'as, je me suis fait by Liad Code. Allez, quoi. On va finir cette mission ou pas, putain. Bon, allez, putain, là. Ça suffit maintenant, là. Mais mon pote me bloque, en fait, donc... Mais ouais, mais va à une couverture où avance... c'est... J'ai un code, c'est que c'est hyper simple, donc... Non, mais je sais, non, mais voilà. Y a voilà, mec à droite, putain. Là, non, c'est bon, voilà. C'est fini, voilà. Tu vois, y a mec à droite. Ouais. Allez, c'est parti, là. Putain, des méchants enfoirés de Russes. On a que 5 minutes, fait chier, la vie. Ne t'inquiète pas, Samuel sera largement suffisant. En fait, on va faire. On va foutre en l'air toutes les valises. On va les fouiller comme dans Dead Island. Allez, on prend ça, viseur laser. Oh, fais gaffe aux grenades. T'as le script, ils se mettent en même temps, la même animation, ils arrivent au même moment. À la même seconde. Là, t'as jeté une grenade. Genre... Et il glisse. Ah, il glisse quand même. Oh putain, comme une vieille merde. Oh, regarde, lol. Comme une sale merde, quoi. Et en haut, oh, comment il est en chaud et désarticulé. Il a le talon dans le cul, mec, quoi. Ah, chaud, ouais. Et là, par contre, il a pas glissé. Stratford. Il a pas voulu faire un Nathan Barnett style. Non. C'était énorme, comme on l'a glissé, notre. Hein. Stand on the right. Ah, descend, putain, non. La physique. Bon, enfin, la physique, celle-là, ouais. Ah, les enfoirés. Ah, les enfoirés, les enfoirés. Oh, putain. Là, le buraliste, il rentre pas la main après. Ah, chaud, là. Hein. Il est un peu raciste sur les bords. Allez, sort. Le scope, ah, le scope là. Pas besoin de scoper là. Ah, un petit minitel. Incroyable. Ça faisait longtemps. Attends, je suis pas content là. MGS2, on enlève tous les trucs s'il faut, hein. Donc c'est, y a un problème là. Ah, et MGS3, on lit les PSM2. On lit les PSM2. On lit les PSM2. C'est quoi là, ça? Là, y a même pas de feuille qui sort. Mais il me semblait y a rien. Putain, mais c'est clair, même dans Ken Inch 2 qui est une bouse absolue, ça sort quoi. Bon, là. La table est stress ou pas? Ah putain, les lunettes Call of Duty à 10 000 euros. Vite. Ah ouais, c'est pour mieux jouer, tu sais, les lunettes des gamers qui proposent 70 euros. Non, 130, non ouais, 130, si t'en veux deux, je pense. Non, hein. Je crois que c'est sur Amazon, ça coûte 100 euros. Ah ouais, bah, c'est les lunettes des gamers, c'est pour ça. T'as la classe avec. C'est un pigeon. Allez, je vous défonce là. Il y a le casque aussi à recharge à maïs. Ouah, wow, comment elle a sauté, t'as vu? Ouah, wow, je fais pareil. Ouah, wow. Et c'est pas pareil, si chaud. Comme si, bon ok c'était la réflexion, mais comme si à Londres il y avait un truc qui s'est pas peint depuis 10 ans, t'es... Fait, non mais c'est la réflexion là, il y avait la bâche de l'autre côté. Ah ouais, attends, attention, là, ils refont tous les travaux là, et c'est eux qui travaillent en fait. Ils sont rebellés, eh oui. Ils font grève et du coup nous on va mater la révolte. J'ai tout compris le scénario alors dans ces cas là. Attends. Il y a un mouvement social, on lui... Oh y'a Harris, sans doute. Ils sont là, je suis avec le tien. Tu le vois ou pas, non? C'est vachement moral ça par contre. Vas-y, tu l'as aussi. Ouais, lui. Ok. Ok. Il veut pas mourir, il est pas mort.
Acte de barbarité. Techniquement, c'est contraire au règlement de la guerre. Hein. Et comme nous, on est gentils, on applique le règlement de la guerre. J'avais marqué échec, on ne tue pas les prisonniers. Hein. Ouais, mais bon. Mais bon. Ce serait trop compliqué pour, ouais, pour dans Kevin, l'esprit du Kevin, il comprendrait pas pourquoi on ne tue pas les prisonniers trop lolo alors que Laurent, j'en ai tué tout à l'heure. Hein. The Big Distler. Ouais, un peu The Big Devansky, mais bon. Allez, oh, Westminster, Big Ben, c'est trop mal. C'est magnifique. Alors, écoutons ce qui se passe. Vous avez les mêmes habits, vous deux là. Magasin, sûrement. Ah, mais vous toutes aussi? Donc les filles sont toutes habillées pareil. Et les mecs, il y a ton pote de le même de l'autre côté là-bas. Ton frère jumeau des cheveux. Alors attends. Vas-y, essaye de suivre le point. On va un peu où c'est là. Voilà la roue. Ok, donc là on est là. On est là, la Westminster là, au quartier, ouais. Tu sais, au pont là. Oui, tout à fait. Non, mais je regarde un peu là. Donc là-bas, il y a la roue. La roue. Il sautait. Là, ouais, mais c'est. Moi j'aime bien parce que c'est bah, souvent qu'on voit l'onde, tu vois. En FPS. Bah on attend ce gate ouvert toujours. Oui, hein. Bah voilà. Voilà ce que ça sera, donc les vraies voitures comme ça. Hein. Donc apparemment lui il fait allez avance plus. Wow, ça avance et tout, c'est parti là. Et ça on a un hydral GIGN après hein. Ouais. Est-ce qu'ils font peur aux oiseaux comme ça là? J'ai envie de tirer tu sais. C'est tous des jumeaux. Et qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains? Un peu bienvenue à Gattaca ici. Bon va les voir parce que sinon on va jamais y arriver là. Là c'est clair. Big Ben, Big Ben. Acte de terrorisme. Bon, allez, voilà, regarde, le script se déclenche. Voilà. Feu à volonté. Oh putain. Ceasefire! Putain, je vois, t'as vu? Un magazine! Chaud! Je le veux. C'est quoi ton nom? Connolly! Tu es le seul à. Non, un deuxième! Un deuxième! Allez, laisse parler. Tu vois quoi ici, quoi? Ouah, c'est la fin. Oh là là. Vacances on de va arrêter là. Ah, c'est là, ça explose. Ah, ça va être là, explose. On va se quitter là-dessus. Ça, on la verra deux fois, tu vois. C'est trop long en plus, ça. C'est waouh. On va voir si. Regarde, je mets plus fort. On va regarder objectivement si ça a une utilité dans le jeu. Allez, rapproche-toi. Chérie, il faut que tu le filmes. Chérie, il faut que tu le filmes. En fait, c'est moi qui dois le filmer en fait. Putain, on est trop con, c'est comme Uncharted 3, c'est la révolution, tu vois. Mais comme j'ai pas. J'attendais que la gamine meure avec les pigeons, tu sais. Donc, enfin, et regardez. Et ouais, faut que j'avance, putain. C'est pour ça que c'est horrible. Et là, enfin, Charity Worldwide. Boum. Je suis le mec qui s'en montait. Pigeon. C'est bien ta fille. Et boum. Et toi, t'es même pas mort. C'est très voilà. Et là, du gaz, et donc tu vas mourir. Rentre là. Et voilà, attends, je filme toujours. Je filme ma mort. Magnifique. Ouais. En fait, j'ai tenu une 25 parce que moi, je filmais au début tranquillement. Ah, c'est peut-être un trophée. Ouais, chaud. Hein. Ah. A priori, on a perdu la collection. Qui est planté. C'est donc une attaque, voilà. Alors, on se met un petit peu pour écouter. Ouais, un petit peu. C'est un acte terroriste sans précédent. Ici le QG des GIGN. Mes gars sont morts ou à l'agonie. J'ai été découvert. Ici Rammstein, on se fait attaquer. Bien reçu, nous savons pour l'attaque au gaz. Nos équipes d'intervention sont en route. Pas le gaz. On se fait attaquer par des forces russes. Répétez, Rammstein. Vous avez dit des forces russes. La totalité de l'armée russe. Demandons renfort immédiat. Nous venons d'apprendre que des chars d'assaut russes ont envahi les Champs-Élysées. Ce n'était pas du terrorisme. Ces attentats visaient à paralyser nos défenses en vue d'une invasion. Il faut qu'on frappe maintenant avec tout ce qu'on a. Chef, la délégation à Hambourg ne répond plus. Metal 01, c'est Overlord qui vous parle. Vous allez être dérouté vers Hambourg. Nous avons une prise d'otage de niveau critique. C'est qui? Le vice-président. Et oui, une fois de plus, l'Europe est complètement impuissante, hein. Ouais, j'ai envie de dire... Comment... Une fois que c'est pas l'Allemagne qui nous attaque, c'est la Russie. Donc on récupère notre ami Frost. Ouais. Et on va essayer à Hambourg, l'Allemagne, on va essayer de reconquérir l'Allemagne un peu comme pendant la guerre froide. Hein, ouais, chaud, hein. Scénario inédit, on l'a pas vu entre 61 et 89. Hein, non, mais attends, bon. La Russie qui attaque l'Europe et c'est les États-Unis qui interviennent, c'est pas mal ça. Tu sais, on a vu le GIGN, on est débordé, tu sais. Avec la magnifique voix de Gibbs.
Donc on va se quitter sur la déco. Dès qu'on peut sauvegarder, on arrêtera là. Et on reprendra et on reprendra lors d'une troisième partie de ce Cheetah Play consacré à Modern Warfare 3, qui est extraordinaire. Franchement, là, on a passé une deuxième vidéo magnifique, hein. Magnifique, des niveaux d'une richesse technique. Vous inquiétez pas, détails, on fait pas les vidéos à la suite parce que je pense qu'on en pourrait plus. Non. Ah ouais, non, on fait quelques pauses. On fait un buzz aussi. Sinon, c'est ignoble. Donc voilà ce qu'on a vu. On a vu de l'Afrique pas très belle. Une séquence en avion un peu décevant finalement. Parce que moi, pas trop mal, pas très réaliste quoi, genre la fin surtout, ouais. On l'a... sinon c'était intéressant, on nous l'a tellement vendu dans les mêmes commentaires, dans les MP, etc. Donc bon, ouais, je m'attendais à beaucoup plus de Gravité Zéro en fait, moi, mais on a eu juste quelques secondes quoi. Et la phase en métro, tout ça, voilà. En Angleterre, Londres, bon, voilà, sortir Londres c'est pas trop mal, mais bon, j'espère qu'à Paris ce sera épique. La Tour Eiffel, vraiment Paris c'était Italie, donc on va voir ce que c'est, on va voir. Bon, voilà, on vous dit à bientôt alors. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.